bonsoir les amis, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ce samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, sur ce sixième live du mois de l'horreur. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour le dernier épisode de Fierce to Fathom ce soir, parce que oui, ce soir on fait le dernier épisode qui est sorti le 12 septembre. Qui est-ce qui est là? Je vois que Aska qui m'a mis un message. Alors vous êtes quand même un peu plus nombreux que ça, non? J'ai pas une personne, évidemment. Donc je vous laisse mettre un petit message de bonjour là, que je sache qui est là quand même. Ah, il y a Moons. Coucou Moons, tu vas bien? Ça va? Donc il y a Moons et il y a Aska et il y a qui d'autre? Et je vous laisse le temps d'arriver de toute façon aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est rien. J'entendais un bruit, mais c'est le Jack qui tourne derrière moi. Et à nouveau coucou Moons sur TikTok. Donc nous sommes en live comme tous les soirs sur Twitch et TikTok. Oh, donne ta casquette. Coucou Malo, ça va? Ça va bien? Bah, je suis étonné de te voir ce soir, ça fait très plaisir que tu sois là. Je te fais des gros bisous, j'ai pensé à vous trois toute la journée. J'espère que ça va. Salut mon Steph, ça va? T'es en forme? Bon, nous, on s'est parlé ce matin au téléphone, le Steph. Je l'ai appelé ce matin parce qu'on se voit plus. Alors, oui, comme je suis tout le temps en live, je sors plus. Et donc, comme je sors plus, j'ai dit je vais quand même lui téléphoner parce que. Pauvre Steph, c'est... Alors ce matin, on s'est donné au téléphone, il pleurait. Qu'est-ce qu'il pleurait au téléphone? Tu me manques, envoie-moi une photo de toi tout nu, au moins que je puisse tenir. Et bon, voilà quoi. Ouais, je comprends l'eau, je comprends. En tout cas, merci pour le beau geste et puis merci pour le love, que je te fais des gros bisous à vous trois. Un gros bisous à vous trois et beaucoup de courage. Un peu fatigué ça, ouais, tu m'étonnes. Ta bouche me manque trop. Aïe, 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 aïe. Bon, j'espère qu'on va être un petit peu plus nombreux que ça après. Parce que là, c'est... Ah, hein. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On était nombreux en début de semaine. Et là, on est très, très peu, là. On est très, très peu. J'espère que... Voilà. On va attendre un petit peu avant de démarrer. De toute façon, je vois que Shiro a pas marqué de message. Donc, c'est qu'il est pas là. Donc, ça nous laisse le temps encore un petit peu de discuter. Dans quelques instants, je vous parle du défi numéro 3. Car oui, on en arrive déjà au défi numéro 3. Défi numéro 1, donc c'était 25 viewers, je les ai eus. Donc du coup dimanche à 15h on est sur FNAF en VR. Défi numéro 2, c'était 25 subs, je les ai eus. Donc du coup demain soir on est sur Chuxi, un jeu d'horreur ultra réaliste avec un harmonica dans la bouche. Ça va être une petite dinguerie. Et puis après je vous parle du défi numéro 3 dès qu'on est un petit peu plus nombreux. Hein? D'accord les amis. Voilà, par contre ma femme elle fait un truc là, je vois qu'elle est dans le chat et qu'elle m'y retire le défi. C'est un truc que je comprends pas qu'elle fait depuis le début. Elle retire mes annonces de stream, donc celles qui sont passées, et elle retire les défis. Moi je trouve que c'est dommage parce que je trouve que c'était bien de laisser les traces comme ça, tu sais, même pour moi ça fait des... Je me souviens de ce que j'ai fait, je trouvais ça sympa, ça montrait qu'il y avait eu beaucoup de streams et à chaque fois elle retire tout. Et je comprends pas pourquoi tu retires tout, laisse mes annonces, elles se suivent les unes après les autres. Et comme ça, ça s'actualise. Parce que là, c'est dommage parce que elle a retiré FNAF dimanche, elle a retiré lundi, elle a retiré l'épisode de Fear to Fathom et ainsi de suite. C'est dommage. Faut les laisser. C'est dans l'annonce, ça dérange personne. Et puis au moins, ça montre que ce mois-ci, il y a du stream, quoi. Donc demain, on prévoit un... salut mon Shiro. Demain, on prévoit un Doliprane pour le mal de tête avec l'harmonica. Je l'ai reçu en plus. Je l'ai reçu tout à l'heure. Je l'ai testé. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai rendu en l'espace de 2 minutes, j'ai rendu fou tout le monde. Ah, c'est une dinguerie. Oh là là, je vous raconte pas comment c'est. Ah, c'est une folie. C'est une folie. Je vous jure que c'est une folie. Ah, oh, demain, c'est des barres de rire. Je vous jure que c'est des barres de rire demain. Et justement, après, je vous parle du défi numéro 3, mais c'est lié. C'est lié. Tout est lié, les amis. Le défi est fini, tu peux le retirer. Mais laisse le défi en place. Ah, le défi là. Excuse-moi. Pardon. J'avais pas compris que c'était le défi sur le live. Je croyais qu'elle parlait du défi sur Discord. C'est pour ça que je râlais, parce que sur Discord, elle efface mes affiches. Mais en fait, non, elle parlait sur le live. Et sur le live, ça avait tout son sens de retirer ça. Donc, mea culpa, j'ai eu tort. Vous voyez, c'est ça un homme. Vous voyez, nous les hommes, par rapport à vous les femmes. Ouais, il lance une guerre homme-femme. Je m'en bats les couilles. Vous voyez, nous les hommes, par rapport à vous les femmes. Quand on fait une erreur, on arrive à dire je me suis trompé, je m'excuse. On y arrive, nous, à le dire. Hein, pas comme vous. Oui, vous. Vous savez très bien, vous vous reconnaissez. Hein? Incapable de dire je me suis trompé. Incapable de dire
J'ai eu tort. On vous connaît. Alors que nous, on y arrive facilement, n'est-ce pas? Salut Eden, ça va? En forme? Bisous ma poule, à tout à l'heure. Bon, il y a un petit peu de monde qui arrive, les amis, on va parler du défi 3. Steph, elle a l'air vexée, grave! Non, Steph, là, elle est occupée, et puis elle est pas trop bien, là, en plus, en ce moment. Donc, c'est les premiers jours de ce que les filles connaissent mieux que les hommes. Et c'est un petit peu chaud, là. Toujours la faute des autres. Et toujours la faute des autres. Oh, le gars! Et là, les nouveaux emotes, ils sont beaux, hein. Salut Axel, salut tout le monde. Ah ben voilà, vous arrivez à compte-gouttes, c'est parfait, impeccable. Comme ça, avant de lancer le jeu, je vous parle du défi numéro 3. Allez, on se laisse encore, il est 20h08. On se laisse encore 2 minutes. Je vous parle du défi 3 et après on va sur le dernier épisode de Fear to Fatum. Il est sorti le 12 septembre. C'est ce qui se fait mieux dans la nouvelle technologie du jeu vidéo. Ah, vous allez voir, à mon avis, c'est une petite dinguerie. Coucou, tu vas bien? Salut Léo, ça va et toi? T'es en forme mon frérot? T'es pas venu avec ton identité secrète aujourd'hui? NRT? On est 14 les amis, allez. Finalement je vous parle du défi numéro 3 tout de suite. Bah les couilles, j'ai pas envie d'attendre. Alors les amis, salut papa, ça va? Alors les amis, le défi numéro 1 c'était 25 viewers. Vous avez réussi, et donc dimanche à 15h, on est sur FNAF en VR. Le défi numéro 2 c'était 25 subs. Vous l'avez réussi, et donc demain soir, à 20h, on est sur Chucksy, un jeu d'horreur ultra réaliste avec un harmonica dans la bouche. Et le défi numéro 3, je pensais pas le lancer si tôt, le défi numéro 3, il est limité dans le temps. Donc ça peut être un échec, contrairement aux autres, là ça peut être un échec. Il commencera samedi matin, et c'est un défi TikTok. Donc en fait, pendant la soirée de demain, il faudra prendre un maximum de clips sympas. J'en choisirai deux. Un que je publierai samedi matin et un que je publierai samedi en fin de journée. Et si... Écoutez bien. Salut Hervé, coucou. Je te demande si ça va, mais bon, je sais, voilà. Mais j'espère que ça va. C'est un peu délicat. Et si, en fait, mes vidéos TikTok que je poste, donc samedi matin et samedi en fin d'après-midi, ont chacune 30 cœurs et 10 partages, 30 cœurs et 10 partages. Alors, j'organise un live Davida version Halloween. C'est posé, c'est dit, c'est balancé. L'affiche sera donc postée demain. D'accord, c'est pas la peine de la poster trop tôt puisque ça commencera que samedi le défi. Donc voilà, donc si vous réussissez samedi, c'est réussi, tant mieux. Si c'est pas réussi, ben voilà, ça sera un échec. Voilà. Donc Davida version Halloween. Donc c'est très simple. Les deux vidéos que je posterai sur TikTok samedi, j'ai 30 cœurs, j'ai 10 partages. C'est validé, on organise ça. On se trouve une date, on se trouve un moment sympa et on s'organise ça. Comme ça, vous voyez, c'est un défi utile, c'est un défi que tout le monde peut faire. Ça coûte pas d'argent, ça demande rien. C'est un défi que tout le monde peut faire et ça aide la chaîne parce que du coup, ça aide les vidéos un petit peu à être sur le devant de la scène. Et donc, ça met un petit peu la chaîne en avant. Je pense que c'est pas mal, non? Et puis, 30 cœurs, 10 partages. Bon, 30 cœurs, j'ai déjà sur les vidéos de base, j'ai déjà des cœurs sans que ce soit forcément que des gens de la chaîne. Et puis alors, des partages, bah, c'est rien quoi. 10 personnes, 10 d'entre vous qui font un partage. Voilà, c'est quand même pas la mer à boire. Voilà. Ah, on a déjà discuté avec ma femme. Et on a déjà une idée de ce que va être cette version Halloween. J'en dis pas plus. Mais voilà. Ça va être pas si mal que ça. Vous avez vu ma tasse? Regardez comme elle est belle ma tasse. Regardez. Elle est sympa, hein, c'est ma tasse de Noël. C'est ma tasse de Noël pour Halloween. Partage c'est republié, ouais, en fait, c'est ça, en fait. Le partage c'est republié, en fait. C'est ça, c'est un partage, une republication, ouais, ça doit être à peu près ça. En tout cas, je crois que j'ai eu, sur la dernière vidéo, j'ai eu quelques partages, j'ai eu 4 ou 5 partages sur la dernière, je vais vous dire ça. Alors attendez, parce que j'en ai posté une juste avant le début du live. Et ça s'affiche plus, mais bon, enfin... voilà, ça se trouve, c'est marqué partage, voilà, ça se trouve facilement. Les amis...
Je pense qu'il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Ce soir, nous sommes sur le dernier épisode de Fear to Fathom, sorti le 12 septembre. Ce Fear to Fathom nous plonge dans l'histoire de Sydney Harper, une jeune femme de 23 ans qui travaille dans un cabinet de conseil et qui organise un week-end d'escapade dans une location à Woodbury avec ses amis de l'université. Et jamais ils n'auraient pu imaginer ce qui allait se dérouler durant leur séjour. Maintenant, pour survivre, c'est à nous de faire les bons choix. On va appeler Chiro. On n'a pas démarré Discord, comme tous les jours. Salut le King, ça va? En forme? Franchement, j'avoue, je dis pas ça souvent. Je dis pas ça souvent, des trucs comme ça, mais je suis vraiment content que tu sois à nouveau à fond dans la chaîne. Ça fait super plaisir. Ah, on essaye après, je suis à fond dans la chaîne, mais il faut que les gens viennent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que si on se met à fond dans un truc et puis qu'il n'y a personne... Au bout d'un moment, ça démotive, mais voilà, vous voyez, c'est aussi parce que vous venez qu'on se met à fond dans la chaîne. C'est aussi parce que vous venez. Et le père Chiro. Entendons sa douce voix des tréfonds de la robe de chambre. Monsieur Chiro. Oh, c'est Chirette. C'est la cousine à Chiro. Et ma petite Chirette, t'as mis tes robes de chambre et ton string? Il fait pas grand, c'est froid. Oh le gars, il faut... Alors il faut qu'il fasse quelle température pour que tu mettes la robe de chambre? 14, 15. Attends, chez moi il fait combien là actuellement? 14, 15. Ah putain, il fait 20. Ah non, il fait 18 chez moi. Ah putain, chez toi il fait combien là? Il doit faire un peu plus frais que chez moi normalement. Il fait 20. Il fait 20 chez toi? Bah écoute, ouais. Ce qu'il faudrait que tu fasses pour gagner quelques jours sur la robe de chambre, il faudrait que tu déménages et que tu viennes vers chez moi. Si tu veux, j'ai une cave. Si tu veux. J'ai une cave aménageable. Je te mettrai quelques bonbons. Un petit lapin à caresser. Et éventuellement, j'ai. Pour être sûr que tu ne te perdes pas dans la cave, j'ai des chaînes au mur. Je m'en suis évidemment jamais servi, mais si ça t'intéresse... Qui avec Steph? Madaron vient de me donner un Toblerone. Et moi, pourquoi ta Madaron ne me donne pas un Toblerone? J'imagine que t'as déjà démarré le jeu. Non, pas encore. Ah, je suis en train de finir ma pizza, moi. Ah bah, hey, termine de manger, vas-y, prends le temps, démarre pas tout de suite. J'ai fini, t'inquiète pas. Ah, t'as le temps, hein, t'as le temps de manger, hein, y a pas de problème, hein. De toute façon, c'est pas comme si les gens y t'attendaient, hein, n'est-ce pas, c'est pas... On a un peu l'impression qu'ils se foutent la gueule de tout le monde, qu'il en a rien à foutre de vous, mais c'est pas grave. Mets Chiro dans ta piscine pour le rafraîchir. Grave. À la piscine, là, j'ai vidé de bonnes parties pour l'hiver. Je rigole, mais j'arriverai encore à avoir chaud. C'est vrai, t'es quelqu'un qui a plutôt chaud, toi, tout le temps? Ouais, généralement, ouais. Ah, ok. Ah, moi aussi, je suis quelqu'un qui a très chaud, en général. Alors, on va se mettre en français. Option. Je veux juste vérifier un truc, les amis. Je voulais voir s'il n'y avait pas un mot coupé comme hier en bas à droite de l'écran, mais on n'a plus l'option pour voir ça. Ok, c'est quand tu veux. Hein. Ouais, j'arrive. Prends ton temps. Moi, je suis sur une nouvelle partie. Voilà, j'attends ton signal, mais tu prends tout ton temps. Moi je suis en chaleur, mais c'est pas les mêmes chaleurs. Ouais, tu m'étonnes. Toi t'es en chaleur le samedi soir surtout. ou quand t'es dans une certaine partie du monde. Ah les amis, je suis tellement content de faire tout Fathom. Waouh, tellement content. Cette série de jeux, elle est tellement dingue. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que ce sont des histoires vraies, style un peu Reddit comme ça. Donc c'est des gens qui racontent leurs histoires et ça a été adapté en jeu vidéo. Et donc quand on se dit que c'est une histoire vraie, alors celui d'hier c'est celui qui m'a fait le moins peur. Et le deuxième épisode c'est celui qui m'a fait le plus peur. C'est pas si effrayant ça. Ouais, hier il était pas si effrayant. Et puis moi je suis plus effrayé par les mécaniques des intrus dans les maisons. Là c'était hier c'était une secte, bon, c'était dans la forêt, on n'a pas été vraiment se balader dans la... Ah, j'ai reçu un cadeau. Attendez, comment je fais Attendez les amis, j'ai reçu un cadeau. Alors comme ça, vous avez reçu un cadeau de Chiro.
Buried! Non, la dinguerie! Ouais, j'accepte direct le cadeau. Tu cherches sa mail, il était en promo, j'ai fait oh! Non, mais je crois que le jeu est super court, non? Ouais. Il dure combien de temps? Pas longtemps. Je crois qu'il doit durer 20 minutes, un truc comme ça. Je crois qu'il est vraiment très petit le jeu. Attendez, je vais regarder. 30 minutes, 30 minutes. Si on termine tôt, Fear to Fatom, peut-être. C'est bien dit, peut-être. Faut que j'aille installer. Il doit pas peser bien lourd. Oh, normalement, non. Je crois qu'il ouais, regarde, il faut 1 giga d'espace libre. Et comme il est compressé, à mon avis, il fait 500 mégas. Donc, ouais, donc il y a moyen de. Il y a largement moyen. Tu me dis quand t'es prêt. Hein. Merci encore, hein, mon frérot. T'inquiète pas. Attends, je suis en train de me l'acheter pour moi aussi. Le mec, il me fait un cadeau, il l'est même pas fait à lui-même. Bah oui. Les gars, j'y suis presque. Hein. Oh. Vas-y. Prends le temps. Oh, alors, les amis, il a quand même le droit de manger sa pizza, merde. Je t'ai déjà dit, elle est terminée, cette pizza. Le speedrun de Buried dure moins de 30 secondes, il me semble. Ah putain, mais vous connaissez tous les jeux ici, en fait. Il y a même pas moyen de lancer un jeu. Déjà, quand j'ai dit Fear to Fatom, tout le monde avait l'air de connaître. Moi, je connaissais pas. Hein. C'est dingue, hein. Je l'achèterai après, parce que j'ai un petit bug. Ah. Oui, parfaitement. Je fais une soirée Halloween avec une tasse de Noël. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui... T'es en train de boire aussi dans la même tasse, quoi. Voilà. Non, on n'a pas de tasse double pour celle-là. Alors en fait, ma femme, elle est maniaque avec les tasses. Si je bois un café et qu'elle boit un café, il faut qu'on prenne les mêmes tasses. Mais par contre, si je bois un café et qu'elle en boit pas, on a des tasses spéciales où on a acheté qu'un seul modèle et je suis obligé de prendre celle-là. Ah, sinon, elle me fait la crise. Qu'est-ce couille. Je suis sur nouvelle partie. Ok, 3, 2, 1, let's go. Fear to Fatom, épisode 5. Woodbury Getaway. Le 8 décembre, à l'approche de Noël. Oh, d'habitude, on commence toujours avec un texte, et là, on commence direct avec le jeu. Il me fallait un café pour finir avec ma journée. Ok. Ah, dinguerie, quoi. Attendez, je suis pas en... Voilà. Là, je change mes touches. Ah oui, putain, ouais. Ok, on travaille dans une espèce de grand complexe comme ça. Si vous savez, c'est des petits bureaux horribles là où c'est des petites cases et vous n'avez pas d'intimité, tout ça. Enfin, c'est horrible quoi. Après, si tu après le secret quand vous travaillez dans un environnement comme celui-là, c'est de faire pote avec les voisins. Franchement, ça peut être le pire métier du monde, comme ça peut être le meilleur. Si tu t'es fait pote avec le mec d'à côté, tu t'envoies des conneries et tout, tu tapes des bons délires. Il y a moyen quand même de passer des bonnes journées. Alors, elle est où cette machine à café? Elle est là. Alors, une tasse. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, ça va loin, il faut prendre la capsule. Il manquait de l'eau. Peut-être dans le frigo. Bah, je peux pas la prendre, la flotte. C'est que ça doit pas être là. Il y a un robinet ici. Il me faut un récipient vide pour remplir de l'eau. Un gobelet. Voilà. Voilà. C'est pas des démarcheurs téléphoniques qui travaillent dans le bureau comme ça. Si, c'est les démarcheurs téléphoniques. Genre, tu peux comparer toute ta journée et te dire ouais, lui il m'a envoyé chier. Lui il était sympa. Ah, lui j'ai réussi à lui vendre deux climatisations. Ah bon, mais il habite pas dans le nord là où il fait froid. Ouais, t'inquiète, je suis un bon vendeur. J'avais besoin d'un couvercle. Oh là là, qui c'est qui met des couvercles sur le café de nos jours? J'ai besoin d'une touillette. C'est pas Starbucks, hein. Non. Ok. Ouais, oui, dans Malcolm, quand... Le Francis, il travaille là-dedans à la fin de Malcolm. Les toilettes, c'est où? Non. Oh, attendez, il faut trouver les... Ah, les toilettes, c'est là, il y a un panneau. Regarde, je vais aller pisser avec mon café dans les mains. Et je vais me brûler la zigounette. Je le sens bien. Je suis une femme, je suis pas un homme, donc je vais pas me brûler les zigounettes. Ah, je vais me brûler la... Flash. Ah d'accord, hein, j'ai une jauge de pipi.
Je crois que les moments dans ces jeux-là où tu fais pipi, c'est les moments les plus réalistes du jeu. Oh putain, y'a quelqu'un dans les chiottes. Y'a quelqu'un dans les chiottes. Attendez, je bois mon café avant de mourir. Non, non, faut. Ah! J'aime bien parce que j'ai le son du live en fond juste après, du coup j'entends tout le cri. Oh putain, c'est Barack Obama. Non, mais vous avez vu comment il est arrivé le mec? Comme un ninja? Non mais vous avez vu comment il est arrivé le mec? Et c'est un fou. Il est arrivé en courant comme ça. Je suis vraiment désolé, madame, je savais pas que vous étiez là-dedans. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. J'étais en train de pisser, j'ai tiré la chasse, mon gars, mais tu sais pas que je suis là. Oh là là, c'est pas grave. Je viens de te tard parce que c'est plutôt calme à cette heure-ci. Tu travailles encore tard? Eh hey, mon gars, si j'avais su que t'allais me faire ça, une grosse bouse que je t'aurais lâché dans, que je t'aurais lâché dans le chiotte. Une bouse, mon gars. J'en aurais même mis sur les murs. Très encore tard, hein? Ben ouais. Vous les jeunes, vous comptez pas les heures. Fais attention, prends soin de toi. Toi aussi. Mais je fais peur à tout le monde, mais je sais que je fais peur à tout. Je fais plus peur que le jeu. Regardez, on voit que c'est une fille. Elle se lave bien les mains, tout ça et tout, c'est propre. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Ah, le bruitage, un peu plus. J'ai toujours mon café, hein. Ah, j'avais fini mon café. Bah tiens, hop. Merde. Alors, je vais relancer le jeu parce que j'ai raté un succès. C'est quoi que j'ai raté? Non. En fait, c'est quand tu fais ton café, faut que tu mettes de la crème dessus. Oh. Tiens, hop. Oh, bah. Oh. Impeccable. Ok. Mais du coup, là en attendant, j'ai acheté Buried. Le mec il rentabilise son temps. Rien n'est perdu, de toute façon, avec ton internet, tu l'as en 2 secondes. Ah, mais là il est déjà installé. Dans 2 minutes, tu vas me dire j'ai faim. Et vous voyez, ce paquet de chips, ça va falloir que j'aille le rechercher, mais bon. Allez, on retourne bosser. Il y a une pizza dans le micro-ondes en plus. Ah, les affaires reprennent. Alors, bonjour, allez voir Sidney Harper qui est-ce. Hey Harp, it's Mike. Salut Harp, c'est Mike. I've Salut Mike. been trying to call J'ai essayé de t'appeler sur ton tel pendant ces 2 dernières heures. Ça tombait en boucle sur ta boîte vocale, tout va bien? Ouais, mon téléphone est chelou en ce moment. Oh snap. Oh flûte. Je commençais à croire que tu m'ignorais peut-être. Non, ça c'est carrément interrompu pour un client plus. Ah, c'est coupé la phrase. Venez, on lui répond pas. Oh, ça c'est le pire truc. On va le laisser en sa gêne. I'm just kidding. Je plaisante. On lui répond pas encore. Anyway, enfin bref, qu'est-ce que tu fiches encore au travail? Il se fait tard. J'ai été noyé sous le travail ces derniers temps. Damn, Harp, that's Merde, rough. Harp. Good thing I called ça a to l'air cheer you chaud. Up. J'ai bien fait de t'appeler pour te remonter le moral. Oh, ça va. About our À propos trip, du voyage, tu as eu l'occasion de réserver la location? Je veux juste vraiment te voir, toi et Nora. Lui, il est amoureux de moi. Je vous le dis, il est amoureux de moi. J'allais le faire après le taf. No worries, Harper. I don't want to stress you out. Alors, as long as you book it pas de tonight, soucis, I think Harper. It'll be fine. Je veux pas te stresser. Dès lors que tu réserves ce soir, normalement, on sera bon. Hey. Hey. I was thinking, je me disais, since vu qu'on habite tous les deux en ville, city, peut-être que je pourrais venir te chercher. There, on roulerait together. ensemble. Nice to catch Ça up. Serait chouette de rattraper le temps. Ouais, lui, il est amoureux de moi. Il en kiffe sur moi. Ouais, je vais mettre une petite culotte propre quand tu vas venir me chercher. You know, save Faut que on j'y gas pense. Hein. And relive the good old days. A little bit of Mike and Tu Sydney sais, time économiser de before Nora l'essence gets et there. Revivre le bon vieux temps, juste un peu des moments Mike et Sydney avant que Nora arrive. Ouais, alors là, c'est vraiment. C'est clair, hein. Je lui dis, ah, bien sûr. Great. Nickel, j'imagine que je vais te laisser then. Reprendre ton travail alors. Oh, wait, oh, attends, encore thing. Un truc. When you book the rental, Quand tu feras la résa, sure assure-toi de rester en dessous de $100 la nuit. Ah, t'as pas de thune. Oh non, c'est bon, tu m'intéresses pas alors. Oh, le gars. Nora and I were talking and she's been on a Et moi je sors pas avec budget. des pauvres. Hein. Things Nora et haven't moi on been discutait et going elle very était well short for her. niveau budget. Ça n'a pas été l'idéal pour elle dernièrement. Ah, tu sais Nora, c'est pas toi. Oublie ce que je viens de dire. Bien sûr, je vais trouver quelque chose d'abordable. It'll be just like the old college days. You always Mais had moi je suis une knack pipe de for luxe. Finding the best Ce sera exactement comme à l'époque de la fac. T'avais toujours eu le coup de main pour trouver les meilleurs spots. Je devrais vraiment faire la réservation maintenant. Right, okay. Ah oui, bien sûr, désolé de piailler. Je suis juste excité, je présume. All right, talk to you later, Harp. Excité. Vas-y, on se reparle plus tard. Ah. Allez, hop.
On va réserver sur le PC du boulot. Et après, je vais me faire renvoyer, obligé. Alors, non, ça, je peux pas. Est-ce qu'il y a Alternet? Ah, c'est quoi l'alien? Oh putain, un jeu! Attendez, main et fin. Bah, je comprends pas, il faut faire quoi? Invader. C'est quoi le jeu? Attendez, j'ai pas compris. Ah! Il faut écrire. Oh oui, il faut écrire les mots. Ouais. D'accord, en fait, il faut écrire les mots, les gars, j'avais pas compris. Ah ouais, bah le mot à 50 lignes là. Putain, j'ai eu un mot ultra long. Perdre un max de vie, quoi. Ouais, c'est chaud, je me suis fait. C'est des mots anglais et tout, c'est un peu chaud. Ah putain, en fait, tu sais ce qu'il faut faire pour gagner le succès? Non. Tu finisses le jeu en ayant plus de 70 PV. Quoi? Ah bah c'est bon, j'ai fait le succès, il est foutu là. Ok, je recommence. 70 PV, ça va être chaud. Je suis à 80. Je suis à 40, bâtard. Putain, à cause d'un seul mot. Oh, 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 oh. Je suis à 70. Putain, à cause d'un seul mot où j'ai bloqué. Putain, et puis alors en plus c'est pas un clavier comme j'ai l'habitude d'avoir. En vrai le jeu il est vachement bien quand même. Faut que j'écrive plus vite que ça. En fait il y a des mots des fois qui sont ultra longs et quand tu commences ils sont pas là, etc. Ouh, failli me faire toucher là. Bon appétit Aska. C'est bon, je suis toujours à 100%. Moi je suis sur les escaliers à 100% là. Ouais, moi aussi. Je descends les escaliers. Ouais, c'est bon, je suis baisé. Ouais, je suis baisé, je suis à 60, bordel. Ah oui, j'ai perdu, tu m'étonnes que j'ai perdu, espèce de trou du cul, mais c'est des phrases qui te mettent. Attendez, je pousse un peu les micros parce qu'ils sont un peu devant mon clavier. J'espère que vous m'entendez toujours aussi bien. Je suis à 60, putain. Ok. Non, c'est mort, il est trop long. T'as les mots ultra longs qui offrent. Ok. On recommence. Putain, je suis tellement concentré. Ouh, c'était chaud. Ok, je monte les escaliers, je suis à 100%. La petite passerelle. Ok, je descends les escaliers, je suis à 100%. Putain, c'est les mots, ils sont
C'est maintenant que j'ai perdu là. Ça, les mots sont trop longs. Ah putain, 90. Je suis à 80. Putain, c'est pas fini encore. Ah si, j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu à 80. Yes, les gars. C'est bon, j'ai le... C'est nain, frère. J'en ai 3, c'est que des mots 30 machin. Ouah, c'est des trucs de ouf, hein. Salut Jade, merci pour ton... Merci de rejoindre, j'allais dire merci pour ton follow, mais je crois que t'étais déjà follow. Ah si, t'as rejoint, sur la bienvenue. Salut Noobi, ça va frérot? Le jeu était ouf là. Bon ok, mais à la base c'est pas pour ça qu'on est là. Je crois qu'on doit faire une réservation. Qu'est-ce que je peux taper? Attendez, je vais taper. Ah d'accord, ok. Rentcabine.com. Ah bah écoute, y a pas de soucis, tu loupes un bon jeu quand même. Mais merci d'être passé, merci pour le bonjour. Ok, on cherche un truc pas trop cher. Woodbury. Ouah, c'est génial la manière dont ils ont codé le truc. 350 balles la nuit. 249, 199. Et la 99, la maison, là. 259, et on sait que c'est celle-là qu'il nous faut, de toute façon. Pour le fun, on va essayer de prendre la plus chère, mais... C'était au-dessus de notre budget. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une petite cabine privée à Woodbury, avec le Wi-Fi, un jardin, la télévision, une cuisine, la possibilité de pêcher, et un espace parking. On a une note de 3 étoiles sur 5, avec seulement... Il y a seulement deux notes en fait. Regardez toutes les autres. Tous les autres, ils sont quand même notés. Bon, celui-là, il est noté comme de la crotte. Regardez, 34, 8, 32. Et là, c'est celui qui a le moins, quoi. Je peux pas. Il n'y a pas moyen de. J'ai mes books, mais j'aurais bien voulu voir un petit peu ce qu'ils disaient les. Merde. Les avis. Ah, regardez, on peut voir. Donc là, on a une chambre comme ça. Ouais, c'est cool. Un jardin avec une. Avec un point d'eau. La cuisine. Ah, c'est juste. Honnêtement, c'est cosy. 100 balles, je les mets. Honnêtement, c'est cosy. Donc, pourquoi on peut pas avoir les avis? C'est bizarre ça. Ok, donc c'est confirmé, je mets pas mon nom, mon prénom, rien. Eh, j'imagine que tu reçois des centaines, voire des milliers d'histoires chaque jour. Donc, je vais te donner un résumé rapide d'un truc qui m'est arrivé. Ça y est, ça commence. T'as eu du bol toi avec les mots? Non, non, j'ai eu des mots super durs. Je suis désolé si c'est rédigé bizarrement, mais j'étais dans le rush. Donc, ça, c'est la version Reddit du truc. Au début de ma vingtaine, je travaillais dans un gros cabinet de conseil dans ma ville. La vie au cabinet était jonglage constant de deadlines et de rendez-vous clients, tout en essayant de prouver ma valeur. Ce qui me laissait peu de temps pour les loisirs, sans parler de ma vie sociale. C'était bien payé, c'est sûr, mais au prix de ma santé mentale. Je suis Sydney Harper, et cette histoire prend place durant ces journées. Un de mes amis de la fac, Mike, qui au passage avait très fortement envie de me baiser, a proposé de faire un week-end d'escapade dans la campagne du Vermont, ce qui sonnait comme une pause parfaite dans mon cycle de travail. Et mon autre amie, Nora, a également vite embarqué avec nous. Le plan était simple. On loue une petite cabine, on finit notre journée tôt le vendredi et on rentre le lundi. Mike est venu me chercher. 2 jours plus tard. Si la maison est hantée... Oh la vache, oh, il fait flipper Mike. Oh, mec, tu joues à la PSP alors que t'es avec moi? Non, mais t'es un geek de merde en fait. Moi, j'ai refusé un appel en fait. Donc, je vais rentrer dans le garage, t'es déjà en bas. Donc, ça, c'est Michael qui me marque. Salut Sydney, merci d'avoir réservé ma propriété à Woodbury du 10 au 12 décembre. Je suis Rick, votre hôte. Prévenez-moi si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit pendant votre journée. Je suis enthousiaste de vous héberger. Merci Rick, nous avons hâte. Juste pour être sûr, le check-in est bien à 15h. Oui, c'est exact, la clé sera dans un coffre-fort au niveau de la porte de devant.
Le code est 5176. Appelez-moi si vous avez le moindre souci pour l'ouvrir. Je vous souhaite un bon voyage. Ça, c'est un autre sympathique, comme on les aime. Ça marque quoi sur internet? Ça marque tout seul. Tu tapes ce que tu veux sur le clavier, ça écrit tout seul. Ah, d'accord. J'ai d'abord oublié ma valise dans l'ascenseur, merde. Ah, ils sont sérieux. Allez, mon gars, je suis là. Ah, moi, ça m'a fait chier, j'ai raté. Les mecs. Les mecs qui viennent vous chercher, qui klaxonnent alors que vous êtes juste devant la bagnole et que vous arrivez, c'est has-been. Harp! T'as poussé à la 99? Ouais, t'es obligé de prendre celle-là, j'ai essayé d'en prendre d'autres, c'est au-dessus du budget. C'est encore comme ça que tu fais des câlins aux gens? Pourquoi tu me fais pas de câlins comme si je t'avais manqué? Oh, c'est un forceur. Oh, t'es un forceur, mec. Arrête! Fais pas des câlins comme ça, c'est horrible. Tu es beau. Non, je suis belle, tu veux dire. Je suis une femme. Et toi donc, Mike? Tu peux juste balancer tes affaires à l'arrêt et on va démarrer. Ouais, il est chelou. Ouais, il est chelou. Tu prends même pas ma valise, mon gars. Tu veux un câlin, mais tu prends pas ma valise. Même pas gentleman, le mec. Harp, t'es prête à prendre la route? Acquiescement, c'est parti. Oui, Nora. Elle nous rencontrera là-bas. Oh, putain, c'est chaud. La route à travers la ville aurait fait un détour pour elle, de toute façon. Ouais, il lui a dit de pas venir, c'est tout. Très bien, Harp. Oh, le bâtard. Je demande au chat une minute. Prenez une minute pour bien enregistrer ce visage-là. Ce visage-là. Parce que si j'arrive jamais à la cabane, ce sera ce mec-là. Ce sera lui qui sera le responsable. Avec ses petits yeux là. Mike est en réalité le gars d'avant dans le deuxième chapitre. Mais grave! 4h26. Putain, ah, mais je fais peur. Ah, c'est pas bizarre en vrai. Avant on rêvait de jouer à la fac. Et voilà où on en est. Oh putain. Salut Elliot. Ah non, s'il vous plaît, un modo sur TikTok là. Mettez-moi un ban. Oh putain, on attire pas grand monde et c'est ça qu'on a. Attendez, je crois que je peux le ban moi. De quoi, Elliot? Ouais, bah oui, t'as vu ce qu'il marque. Ouais, je suis pas modo, moi, donc je peux pas. Ah bah attends, je vais te mettre. Attends, tiens, on va signaler déjà. Qu'est-ce qu'on peut signaler? Haineux, il y a raciste aussi. Oh, et puis maintenant, on va bloquer. C'est ouf quoi, voilà ce qu'on a tiré les gars. Alors Harp, c'est pas bizarre en vrai avant de rêver de chier à la fac et voilà où on en est. Tu m'as mis au dos du coup? Ah attends, bah écris un message sur le chat que je puisse te mettre modo. Excusez-moi les amis hein. Hop, voilà. C'est bon, je t'ai mis modo. T'as vu ça? T'as vu ce bus scolaire? Vu quoi? Il y avait un bus scolaire? Un bus scolaire là-bas, vers la vieille maison. C'est peut-être un projet. Tu sais, genre l'idée de quelqu'un d'en faire un mini maison sur roue, truc du style. Mais ça va trop vite. Oh putain! T'as deux comptes, Chiro? Sur TikTok? Non. C'est pas toi, Axel? Ah mais non, c'est l'autre Axel. C'est l'Axel qui est sur le live. Et il dit, c'est moi, Chiro. Ah oui, il parle à Chiro. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, ok. Ah, tu dis, coucou, c'est moi, Chiro. Je crois que tu me disais à moi, je suis Chiro. Je comprenais plus rien. tu sais que sur un moment, là, j'étais sur le 2 et j'étais prêt à cliquer sur bloquer et mettre en sous. Je me suis dit, on essaye d'usurper l'identité de Chiro.
Oh flûte, c'était pas loin. Ah bah, j'ai pas regardé l'écran du coup. Bon, on a failli renverser un cerf. J'ai lu sur internet que dans l'histoire des natifs américains, voir un cerf traverser ta route, c'est genre un message de l'univers. C'est tout ce que t'as à me dire, mon gars? C'est un message de l'univers, on a failli tuer un cerf et tu te dis que c'est un message de l'univers, mais c'est quoi comme message de l'univers, mon pote? C'est encore loin. Il devrait encore y avoir une petite heure et demie. Tu sais, conduire sous la neige, c'est un peu comme traverser l'espace intergalactique. Non mais lui, il est chelou de ouf. Eh, hey, t'es un mongol, mon gars, t'as 12 ans ou quoi? Oh, t'as chié, non, chérou? C'est une destination collective. Ah non, mais c'est ça. Regarde comment les flocons virevoltent autour des forts. Eh, j'ai vu un succès, Dave. Putain, en chier, ça veut dire. C'est quoi qu'il faut faire pour le succès? Il faut réussir le jeu sans mourir. Ça va être chaud. C'est-à-dire qu'il va y en avoir des trucs, il va y en avoir. C'est comme si les étoiles et les galaxies fonçaient droit devant nous. Salut Zouzou, on commence à peine. T'as rien loupé. Pas grand-chose. À part à moi qui ai claqué ma main contre mon clavier, t'as pas loupé grand-chose. Là, juste un mec chelou qui essaye de me draguer, mais avec une méthode minable. Nul. Nul, 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 nul. Ça y est, on y arrive, les amis. On peut pas ouvrir la portière pour sauver, là. Yo, hop, mate ça. Ah, mot pizza. Ah, c'est dans les Simpsons, ça. Ah bon, on va aller bouffer une pizza. Si c'est lui qui paye, moi je veux bien. J'ai pas de sous, j'ai oublié mon portefeuille. Ah merde. Ah merde, mon portefeuille. Oh, j'ai vraiment oublié mon portefeuille. Tu sais, ah, faut que je te dise, ces nouveaux GPS, c'est quelque chose. Cette pizzeria est précisément là où elle est apparue sur mon GPS. C'est comme vivre dans le futur. J'ai tellement la dalle que je pourrais manger une pizza entière à moi seul. Bah, moi je mange déjà une pizza entière. Très bien, Harp, l'opération arrêt au centre de pizza est lancée. Prépare-toi à atterrir. Moi j'ai ma pizza là. Ah, putain, tu m'as déjà dépassé. Elle est là. Ah, oh là là, il m'ouvre la porte et tout, gentleman. Vous avez des recommandations? Prends la fromage. Juste la fromage. Bon, elle me dit même pas bonjour le mec. Bon, on va prendre la fromage alors. Hein. Ok, moi chaud. Comment se passe ta journée? Comment elle est la pizza? La pizza est vraiment bonne. Je crois bien que Mo a ruiné toutes les autres pizzas à nos yeux. C'est votre première fois dans la région. Vous êtes d'ici? Oh non, 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 on est en route pour une conférence à la prochaine ville. Plus beaucoup de chemin à faire. On s'arrête juste pour manger dès qu'un endroit a l'air sympa. Cet endroit a l'air vachement cosy. Meilleure décision du voyage pour l'instant. Et toi, t'es d'ici ou tu passes juste? On a réservé un endroit à Woodbury. Woodbury, hein? On a passé un panneau qui disait ça, n'est-ce pas, Chris? Oh, et pourquoi il parle pas, Chris? Je ferais mieux retourner à ma pizza. Soyez prudent sur la route avec cette neige. Waouh, c'est chaud. Ils sont bizarres dès que j'ai dit Woodbury. Comment est-ce que ça va, mon ami? Ça va et toi? Je suis aussi bon qu'un homme peut l'être, mon ami. Vous êtes là pour la pizza? Non, je cherche juste un peu d'aide. Je peux peut-être vous aider. Peut-être bien, oui. Mais va d'abord chercher ta pizza, hein. On en reparle peut-être plus tard. Ok, lui, il est chelou aussi. Comment est la pizza? En tout cas, ma chère, vous pouvez pas vous tromper en prenant la pepperoni ici chez Mo. Chaque bouchée vous rappelle une histoire. Alors, qu'est-ce qui vous amène chez Mo? On passait juste par là, on va vers une cabine à Woodbury. Woodbury, tu dis? Incroyable endroit, j'y campais souvent quand j'étais plus jeune. Il y a cette sensation d'être dehors dans la nature avec rien d'autre que les étoiles au-dessus de la tête. Et ces souvenirs, ça reste à vie. Enfin, je divague, jeune femme. Vous avez fait un excellent choix en vous arrêtant à Mo. Vous venez souvent ici, oh ma chère. Je viens chez Mo depuis 85, cet endroit est rempli de souvenirs à mes yeux. Par contre, ma fille, bénie soit-elle, essaie de m'empêcher de manger trop de pizza. Pas bon pour un gars de mon âge. Qu'elle dit, elle s'inquiète beaucoup, c'est Stéphane, hein, si vous l'avez pas reconnu. Je prends juste une de ces délicieuses parts environ deux fois par mois.
Bon, c'était sympa de discuter avec toi. Attention sur la route, mon ami. Hein. J'ai encore un bug. Encore? Bah, je peux pas manger la pizza. Moi, je suis encore en train de parler aux gens. Comment se passe ta journée? Qui êtes-vous? Je suis Sydney. Écoute, Sydney, on est juste à profiter de nos pizzas en paix. Merci de votre compréhension. J'espère que votre pizza est bonne. Et voilà! J'ai un succès, les gars. Ça fait? J'ai parlé à tout le monde de la pizzeria. Bonsoir, les jeunes. On dirait que le froid donnait envie de manger une pizza à tout le monde ce soir. Vous savez ce que vous voulez, les jeunes? On va prendre 3 parts chacun. J'ai pris une pepperoni, fromage et végé. Et pour vous, mademoiselle, fromage, pepperoni et la spéciale de Mo. Une boisson avec ça, les jeunes. Ça devrait aller. Juste la pizza pour aujourd'hui, merci. C'est parti alors, 6 parts bien chaudes en route. Ça nous fera 22,50$. Payer ou ne rien dire? Je vais rien dire, on va voir s'il me paye la pizza. Oh flûte, j'ai laissé mon portefeuille dans la voiture. T'as du liquide à repas. Oh fils de pute. Ouais, t'es un loser mon gars. Ouais, t'es un loser mon gars. Tu me fais moi payer? Loser. Loser. Arrête ta petite moustache là. Ouais, t'es un loser mon gars. Lady nerd. J'ai laissé dans la voiture. Bah va dans la voiture, elle est devant. Ouais, quel loser. Votre numéro de commande est 27. Asseyez-vous quand on appellera, quand on vous appellera. Non, on vous appellera quand la pizza sera prête. Ouais, t'es un loser, mon gars. Loser. Gros nul. Oh là là. Long reniflement. Ah, oh, maintenant il renifle. En fait, le mec, c'est vraiment le nul, quoi. Ça sent trop bon ici. Ça, je vais faire comme lui. Je suis rien, je parle même pas, gars. Je peux même pas lui parler tellement il est. Ah, j'ai un message vocal de Nora. On est en route, Nora. Dis-nous quand tu y seras aussi. Oh, you guys are going to hate me. I swear, I'll get on the road as soon as I can. But something last minute popped up. I'm not gonna bore you with all of the details. The long and short of it is, one of my clients needs a last minute change. Their payments are about the only thing keeping the lights on. I hate to leave so late, but I've got to keep them happy. I'll have this logo done before you know it and be on my way. Mon gros, elle va être en retard. Donc Nora, fais attention s'il te plaît. J'ai la haine qu'on ne puisse pas être en route tous ensemble. Conduis lentement et ça devrait aller. Je m'assurerai que Harp reste réveillé jusqu'à ce que tu viennes. Elle va arriver en retard et voilà, donc on se rejoint là-bas en gros. Je crois que c'est parce qu'il y a une tempête de neige qui arrive et elle est obligée de rouler doucement. T'as écouté le vocal de Nora dans le groupe? Ouais, je viens de le voir. On dirait qu'elle sera en retard, c'est chiant. J'imagine qu'on va devoir commencer à s'amuser sans elle. Ah putain. Ouah, il est malaisant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fais pas genre de pas savoir de quoi je parle. Ouais, c'est un ami. C'est un ami, mais il est vachement, vachement lourd. Il a tout fait pour qu'on prenne la voiture que tous les deux. Je sais pas de quoi il parle, mais il y aura pas de sexe, hein, mon gars, je te le dis. Commande numéro 27, c'est pour vous, les jeunes. Mais attends, il va pas se lever prendre les pizzas, là, ce bâtard? Mais il va pas se lever prendre les pizzas? Mais t'es vraiment l'incarnation de la nullité, mon gars. Ah putain, bah quand même. Hey, tu vas pas prendre que la tienne. Oh, il prend que la sienne, ce fils d'op. Mais t'es vraiment une merde. Et il bouffe sans moi? Mais toi, tu vas rester célibataire toute ta vie, je te le dis, hein. Ok, tout est prêt, les jeunes. Merci, 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 Mo. Ah, là, je peux m'asseoir, enfin. C'est comme ça, tu dragues une nana, toi. Ok, je mange la fromage. Purée, elle tabasse cette pizza. Ah, c'est moi qui l'ai payée. Je peux pas croire que Nora rate cette pizza de fou. Ah ouais, c'est toujours meilleur quand c'est gratuit, hein, connard. Hein. Grave, et puis en plus, elle rate à cause de qui, connard? T'as pas voulu qu'elle vienne. Purée, Harp, tu manges vraiment la croûte? Bah ouais, c'est du gâchis de pas le faire, tu trouves pas?
J'imagine, mais tu peux mais tu mangerais pas la peau d'une orange si. Oh là là. Mais occupe-toi de ton assiette, mon gars. T'as pas payé, tu t'es levé, t'as pris ta pizza, t'as pas pris la mienne. Mais me parle pas en fait. Me parle pas. Oh là là. Salut mes amis. Ah putain, c'est lui qui m'a dit qu'il avait besoin d'aide. Bonjour. Je vous ai vu conduire cette jolie vieille camionnette. Vous regardez juste ce qui passe et vous prenez des notes. Ouais, c'est ça. Je veux pas vous déranger ou quoi que ce soit, mais je suis en direction du même chemin. Mais comment tu sais où on va? On dirait bien qu'on allait vraiment dans la même direction. Ça vous ennuierait de m'emporter avec vous? Vous allez où? Je vais juste là où la route me mène. Je suis un peu un aventurier, j'arpente les chemins et je vois du pays. Alors vous en dites quoi? Ça vous ennuie pas de transporter cet esprit libre le long de cette route enneigée? Je suis pas très bien, je suis pas sûr, non. Mais alors là, mon gars, mais bien sûr qu'on va te prendre. Alors là, on va lui niquer son cou à l'autre, là. Aïe. Attends une seconde. Rien comme il est dégoûté qu'on le prenne. Tu penses pas qu'on devrait en discuter? C'est pas ce qu'on est en train de faire. Je suis pas sûr qu'on ait de la place pour un autre passager. Ouais, il a raison, que deux sièges dans la camionnette. Je suis désolé de ne pas y avoir pensé quand j'ai accepté. Vous pouvez sûrement me trouver une petite place pour que je peux me mettre au milieu. Je peux même me mettre dans le lit. C'est la voiture de mes amis, je suis désolé. Vous ferez bien monter, mais il n'y a pas de place. Ah putain, non, mais moi je veux le prendre, moi. Mais moi je veux le prendre, moi. Oh. Salut Rome, ça va? Moi je veux te prendre, moi. C'est lui qui veut pas. Vous vous foutez de ma gueule, madame? Pas de place? Je sais qu'il y a un siège au milieu. Vous avez peur de moi ou quoi? Vous êtes pas du genre sympa, vous, non? Les gens méchants rencontrent la méchanceté en personne. Feriez mieux d'être prudent. Tu nous menaces là? Non, non, non. Vous avez mal compris, désolé. J'ai juste froid et je suis crevé. C'est tout. Ouais, merci. Putain, moi je voulais te prendre, mon gars. J'ai la suite du dialogue avec lui, il est vraiment un gros nulard. T'es sérieux? Comment tu peux laisser un étranger rouler avec nous au milieu de nulle part? Je voulais juste aider. Ouais, bah des fois aider ça peut nous mettre dans de beaux draps. Il avait pas l'air méchant. Tu sais jamais vraiment ces derniers temps, à tout moment ça aurait été le nouveau Ted Bundy. Pour l'instant c'est toi le Ted Bundy, mon gars. J'ai plus peur de toi que de lui. RMB, oh putain, on peut roter, les gars. J'espère que je l'ai dégoûté. Regardez, je l'ai dégoûté. Ah. Ok, bah, elle répond juste XD, 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 XD. On lui a brisé ses rêves. Ah non, mais lui, misère, c'était trop bon. Bon, t'es prête à reprendre la route? Pourquoi il me dit t'es prêt? Je suis une fille. Donc parle au féminin, bordel. T'es prête à reprendre la route? On peut peut-être affronter les pires parties de la pire partie de la neige. On est encore loin. Voyons voir. Si mon GPS se trompe pas, on y sera dans environ une heure. Donne-moi les clés, fils d'homme. Harpe, le temps est merdique. Pourquoi tu conduis pas une partie du trajet? Je vais conduire pour que tu puisses faire une pause. Je fais une pause pendant que je conduis, Michael. On va être un petit peu, voilà. J'ai peur de quel genre de pause tu vas me donner, Harpe. T'auras la trouille si tu ne donnes pas les clés. Donne-moi les clés qu'on y aille. T'auras la trouille si tu ne donnes pas les clés. Bien, mais à une condition. Laquelle? J'ai la priorité sur les choix des chambres quand ou si on arrive. Ah, putain. Il va prendre celle à côté de moi, c'est sûr. Peu importe. Prendre les clés. Moi, Rome, c'est pire que ça. C'est les pizzas de l'horreur. Les pizzas sont bonnes, mais je suis avec le nulos, là. Lui là, c'est un nulos, hein. Il a pas payé les pizzas parce qu'il a oublié son portefeuille, c'est moi qui ai payé. Il va chercher sa pizza, il prend pas la mienne. Il me fait de la drague à 2 balles. Et il me donne des ordres en plus. Girl power, mon gars. Je sais pas pour qui tu t'es pris là. Allez. Une heure plus tard.
Good evening, Vermont. This is your host on WKWB. Your tu devrais plus être très loin. J'arrive plus à dire, bordel. Tu te souviens de l'adresse? Je crois que l'adresse était 241 Woodbury Boulevard. Merde! Je t'avais dit de conduire dans la neige, c'est pas des blagues. C'est à cause de lui aussi, c'est parce que j'ai discuté comme un con là. Mais c'est à cause de lui là aussi là. Grave, mais tu sais, riche ou pas riche, c'est pas la question. S'il veut planter son petit drapeau là où je pense, il commence déjà par payer les pizzas. Et puis en plus, il m'a même pas proposé un coca, le bâtard. Je tape toutes les voitures qui passent, ça va pas le faire. Regarde bien, ça va finir en partie de jambes en l'air, mais avec Nora. Ça me déplaît pas. Le mec, il va être trop dégoûté. Non, mais c'est un as surtout. Sa technique de drague et tout, tout est nul, tout est à revoir là. Putain, le panneau. Eh, je vois vraiment rien. Mais la voiture, en fait, elle glisse sur la neige. Donc des fois, elle part un peu à droite ou à gauche. Woodbury à droite. T'as le mec qui est en train de me faire un cinéma pour que je trouve la putain de maison. Ouais, une salade de phalange, ouais. Exactement. Putain, je m'étais embêté à mettre une culotte propre et tout, et puis tout ça pour rien, quoi. Ah bah je sais pas, moi je suis la route, je sais même pas si je suis passé devant. Jésus, set free. Pas celle-là, la maison. Oh. 241 Woodbury Boulevard. C'est bon, on est à Woodbury, là, chez le panneau. On recherche le 241. Des numéros, vous? 241, c'est là. On va se garer là, proprement. Nous y sommes. Mes jambes se sont endormies. Une seconde. Ok, alors attendez, le code pour entrer, c'est 5176. Pourquoi je peux plus avancer? Tu prends pas ton sac? Ah, laisse-moi l'attraper. T'as même ça, il prend pas mon sac, le mec. Mais c'est un truc de ouf. Hein. Le goujat, quoi. Ah, franchement, là, les méthodes de drague. Franchement, je vous en supplie. Hein. Faites pas ça quand vous voulez draguer une fille. Hein. Et alors, il a une glacière, il mettait la valise par-dessus. On dirait GTA Wish. Oh, c'est un vrai jeu d'horreur, mais c'est des histoires vraies, ça. Quel endroit stylé. Je savais qu'on pourrait compter sur toi. Ça sent trop bon là-dedans. J'avoue, mais là, faut que j'aille au shot. Putain, j'en veux plus, quoi. Prends ton temps, mec. Pendant que je pars, tu peux mettre la bouffe dans le frigo. Ouais. Ah, j'en peux plus, quoi. Merde.
Phew, désolé pour ça, Harp. Tu vois bien, la route était longue et cette pizza m'a bien attaqué le bide. Non mais... Il le fait exprès, en fait. C'est toi, en fait, le mec. Ouais, c'est moi, en fait. Ça pourrait être moi. La route était longue et cette pizza m'a bien attaqué le bide. T'inquiète, bon, les cours sont rangés. Attends, je dois vraiment faire pipi. Tu sais quoi, moi aussi, j'ai fait le dégueulasse. Vas-y, j'y vais déballer nos bagages. T'as cru qu'il avait dit, j'ai déballé un cake. Merci. Ok, moi aussi, je vais pisser. Et je crois que donc, du coup, je l'ai vu sortir de là. Non. Alors, c'était de là. Rien que l'odeur m'a dit que la pizza avait bien secoué Mike. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Ah, je suis mort. Appuie sur échappe pour écrire à Rick. Bonjour, nous sommes arrivés. Ah bah oui, on écrit toujours sur le chat. Ça, c'est normal. Ça, c'est la... C'est la... C'est la vie réelle, ça. Bon, bah, il m'a pas répondu tout de suite. Ouais, mais c'est un truc de ouf, hein. C'est vrai, je trouve toujours la cave sans le faire exprès. Moi, il y a des caves où il y a un truc. Mike, il va débarquer dans les shots. Merde, je me suis trompé de pièce comme par hasard. Ouais, c'est vrai qu'il y a, peut-être des enfants à la cave. J'aurais dû aller voir, tiens. Hop, alors attendez, par contre, ça... Tu te sens mieux? Eh, hey. Oh, tu me laisses respirer deux secondes, mon gars. Je sors à peine des shots, là. Tu me sautes dessus. Oh, je sens de la schneck, là. Ce soir, il n'y a rien. Oui, je me sens mieux, merci. Tu veux qu'on check la maison? Ça me semble bien. Voyons voir ce que c'est cet endroit à nous proposer. Après toi. Donc là, nous avons une magnifique petite cuisine en briques, comme ça. J'adore la cuisine. Réel, hein, réel, moi. J'adore la cuisine. J'ai hâte de cuisiner ici plus tard. Tu as commencé quand à cuisiner? Je suis plein de surprises. Clin d'œil. Oh putain. Oh là là, il est lourd. Dans chaque phrase, chaque mot, chaque battement de cils, putain, il est lourd. Ah, une petite table à manger. Un salon. Ça, c'est cool. Le salon est plus grand que mon appart. C'est énorme. Are you exhausted and desperately need a break? Is your 9-to-5 stressing you out? Take a vacation with rentacabin.com. C'est ce qu'on a utilisé pour prendre pour louer la maison. Readily available and accessible with the click of a button. Enjoy amazing views. Ah ouais, il est avec moi à la cave. Viens mon gars, viens, viens avec moi, viens, faut que je te montre un truc, j'ai découvert quelque chose. Attends. Oh, bah j'ai trouvé une cachette. Regarde. Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est une cave. T'as fermé la porte? Non, t'approches pas de moi. Pourquoi t'as fermé la porte? Pourquoi t'as fermé la porte? Tu sais que t'as encore fait normal. Cet endroit me rappelle ton dortoir, mon dortoir à la fac. T'es sûr que ça sent pas la longue briche cuche là-dedans? Je me demande ce que ce gars ne veut pas qu'on voit. Je suis le con. Hop là. Normalement, on est censé être tranquille pour la suite. Ah putain, il a ouvert la porte, ce con. Ah putain, il sait même ouvrir les portes. Ok, on est à l'étage. Donc là, on a quoi? Là, on a une... Alors, Shiro, il a dit qu'il y a une secrète. Il y a une salle secrète. Salut si fan, dis, ça va? Merci pour ton follow. T'as bugué le jeu encore. En fait, il était considéré ascenseur. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai gueulé. Oh, fils de pute. Ouais, j'ai eu peur aussi, t'inquiète pas. Oh. Wow. Mais... Oh, mais qu'est-ce qu'il fout dans la baraque, lui? Oh. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce con? Oh, salut, vous êtes là? Bah, vous nous avez fait peur. Oupsi, j'ai pas fait... Oh, le oupsi. C'est bon, c'est un serial killer. Qui dit oupsi? Qui dit oupsi, les gars? Faut être un taré pour dire oupsi. Bienvenue dans mon humble demeure. Waouh, quel joli jeune couple. Non, on n'est pas en couple. Mais dis-lui qu'on n'est pas en couple, toi! T'es un loser!
T'avais pas besoin de forcer à ce point, Harp. Putain, mais t'es vraiment une merde. Tu payes pas ta pizza. T'as ton vieux pull de 3 semaines qui sent la transpi avec une espèce de chemise en dessous qui ressemble à rien, là. Tu prends pas mes bagages, tu prends pas ma pizza, mais attends. Oh là là, je répondais juste à la question. Il a pas posé de question, Sydney. Il a juste fait un constat, et toi, oublie ça. Lui, c'est un taré. Oupsie. Quelle tête en l'air. Oh, je voulais pas provoquer d'embrouille entre vous deux. On s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un ici. Oh, la délire. Ah, Aska aussi t'as hurlé. Il est vachement à l'aise pour un mec qui veut découper ta peau et en faire un slip. Mais grave. Salut Jacobin, ça va? J'étais sorti chercher mon chat plus tôt et je me souvenais que la télé était en panne. Ouais, c'est ça, ouais. L'excuse de la télé. Je me disais juste que j'allais faire un stop et essayer de le refaire marcher, puisque les gars précédents ont laissé une note négative à ce sujet. Vous savez, ils disent de traiter ses invités comme de la famille, et ma famille doit avoir la télé. Ouais, mais je suis pas ta fille, je suis pas ta femme, je suis même pas ta cousine, mon gars. Je suis entre deux tarés, là. Franchement, les deux me sautent dessus, je suis mort. Oh putain, et maintenant j'ai Ronald qui vient me faire peur. Oh mon petit cœur, qu'est-ce qu'il y a? En parlant de ça, maintenant que vous êtes là les jeunes, laissez-moi vous montrer mon doux chez moi. Là maintenant, je ferais un bien mauvais proprio si je vous faisais pas faire la visite complète. Oh putain, oh, il est chaud lui. L'autre était un homme d'âge moyen un peu nerveux. Ok, donc là on est les deux chauds. Voici votre douche. Ce truc vous fera penser que vous vous lavez sous une cascade de la jungle amazonienne. Oh, l'évier ne marche pas malheureusement. Mec, commence pas à me faire une présentation de 5 étoiles s'il n'y a rien qui fonctionne. Mais pas d'inquiétude, je vais vous réparer ça rapidement. Laissez-moi vous montrer l'autre chambre. Ok. Merde. Oh, allez, celle-là elle est glauque. Hein. Regarde, hop, la pièce a une putain de belle vue. Reste poli mon gars. Vous trouvez ça sympa, monsieur? Attendez que je vous monte la terrasse. Suivez-moi, je vous prie. Vous venez, mademoiselle? Ouais, il veut absolument que je vienne. Là, il y a... J'essaye de repérer s'il y a une petite cachette quelque part ou... Ok, ici. Non, c'est pas ici la cachette. Oh, on a une belle terrasse, un bon sang de bois, c'est dingue. C'est clair. Content que ça vous plaise, les amis. C'est un de mes spots préférés. La vue est sur la crique est somptueuse. C'est aussi un super endroit pour pêcher. Très bien, les jeunes. Rentrons avant que j'attrape à nouveau froid. Vous avez vu le temps? On va aller pêcher. Qu'est-ce qu'on va choper? Du poisson pané? Palam pam tchi. Voilà la pièce de stockage. Si vous avez besoin d'un truc, des outils, des couvertures en plus, qu'importe, tout est là. Si des fois le courant saute, vous pouvez utiliser la lampe torche ici à ma droite. Avec des tempêtes comme ça, on ne sait jamais. Merci. Très bien les jeunes, allons en bas maintenant. Donc là, c'est pas non plus une cachette. Par contre, alors... Vous venez mademoiselle? Je vais la laisser là en attendant. Mais on sait qu'elle est là, on sait qu'elle fonctionne. Wow, pourquoi tu regardes le plafond comme ça, mon gars? Mais arrête de regarder le plafond comme ça, arrête! Fais flipper. On l'a déjà vu, la cuisine, mon gars, on l'a déjà vu. Eh, hey, oh, 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 il m'a piqué un coca, là! Ok, les jeunes, je vois que vous avez déjà rempli le frigo avec de bonnes choses à manger. Voyez la molette? Tournez-la vers le haut pour refroidir et vers le bas pour réchauffer. J'ai tendance à laisser le bas en hiver. Les factures s'envolent. En parlant d'hiver, je devrais vous montrer le chauffe-eau. Et il est où le chauffe-eau? Ah, là? Allez? Allez, il est où le chauffe-eau, le chat? À votre avis, où est-ce qu'il est, le chauffe-eau? Oui! Oui! Vous avez trouvé où il est, le chauffe-eau? Bingo! Ah, putain! Regardez, il a regardé la porte qui s'ouvre pas. Il a regardé comme par hasard. Il y a pas une fenêtre là. Il a mis du papier journal pour pas qu'on voie. Rien d'inquiétant là-dessous. Juste le chauffe-eau et de vieux trucs de stockage.
J'ai un assez gros réservoir, mais si des fois ça s'arrête de marcher, appuyez juste sur le bouton en bas. La lumière pilote va directement s'allumer et ce sera à nouveau opérationnel. Bien sûr qu'il y a des trucs... Mais bien sûr... Là, le bouton est là. Bien sûr qu'il y a des enfants sur cette porte que je peux pas ouvrir, là. Regardez, il va m'en parler de la porte. Eh, monsieur, c'est quoi cette pièce-là? Oh, putain, ta gueule, toi. Vous avez pas besoin de vous soucier de ça. J'utilise ce sous-sol comme stockage. Les locataires en ont pas besoin. Ils ont intérêt à rester en haut. Oh, très bien, j'étais juste curieux. Est-ce que j'ai précisé? Ouais, n'oubliez. Ouais, non, oubliez. Je devrais garder ça pour moi. Le gars à qui j'ai acheté cette maison, eh bien, il m'a dit que sa mère était morte ici. Oh putain. Quoi? Certains invités m'ont dit avoir entendu des voix la nuit. Ils disaient qu'ils entendaient un truc traîner sous les pieds là-dessous. Traîner les pieds là-dessous. Oh putain. Je veux pas vous effrayer, mais si j'étais vous, j'irais pas m'aventurer là-dessous. J'ai pas vu, je suis mort. Je suis mort, quoi. Oh putain, c'est un jeu d'humour en fait. Le regard sur vos visages. Allez, quoi, je plaisante juste. Oh putain, je suis mort. À ce stade, mon détecteur à mec louche était en alerte et avoisinait les 6 sur 10. Moi, ça fait longtemps qu'il a passé les 10 là. Ok, les jeunes, la neige commence à bien s'amaisser. Je vais prendre la route. Faut que je retrouve ce foutu chat. Si je mets le ventilateur un peu plus fort, vous l'entendez? Ouais, vous l'entendez, je vois la barre de mon micro qui s'excite. Et là, vous l'entendez pas, là? Non, c'est bon. Ok, merci de nous avoir fait la visite. D'ailleurs, rappelez-moi le nom associé à la réservation. Je me fais vieux. Je m'appelle Sydney. Ah, Sydney. Sydney, Sydney, Sydney. C'est comme dans Scream, ça, Sydney. Sydney, quel est ton film d'horreur préféré? C'est ça, un joli nom pour une jolie fille. Oh putain, ta gueule. Oh là 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 là. Et puis alors l'autre, il est jaloux maintenant. Regarde comment il me regarde, comment il est trop jaloux. C'est justement où ce mec est super bizarre, très chelou. Enfin bref, allons voir s'il y a des trucs sympas à la télé. À vrai dire, je vais aller prendre une petite douche vite fait. Cool, je vais trouver un truc à mater pendant que t'es là-dessous. Ah oui, elle. Ok. Ah ouais, ouais, non, mais là, on a un double prédateur, là. Vous me direz si vous avez l'impression d'être sous une cascade. Vraiment chelou, celui-là. Merci, à tout de suite. Mais okay. Trop chelou, celui-là. Puis, elle est où, la cachette que t'as trouvée? Au sous-sol, sous les escaliers. Ah, en dessous des escaliers. Attends, je vais aller voir direct. Attendez, j'ai juste au sous-sol, les amis, vérifier la cachette, parce que... Quand on trouve une cachette, il faut absolument les mémoriser. Hein. Ah ouais, ici là. Ok, on a trouvé une cachette, les amis, c'est bon. Putain, ça veut dire qu'on va devoir aller dans la cave, bâtard. Ah. C'est rien, on a perdu le live TikTok, ça va revenir. Je le perds au moins une fois par soir. Allons prendre une bonne douche. Y'a pas une caméra à quatre portes? C'est connu dans les Airbnb comme ça. Ils mettent des caméras des fois. Derrière le miroir ou... Non? Entre les lattes comme ça, non? Non, parce qu'il faudrait... S'il faudrait au moins payer pour me voir à poil. Vous voyez, ça me dérangerait qu'on me voie gratuitement. Mais je me suis pas mis tout nu. Ah, un miroir sans teint, c'est bizarre, hein. Ah, je me savonne même pas, quoi. En mode dégueulasse.
Je me méfie parce que j'ai pas peur de me faire attaquer, parce que je me ferai pas attaquer à ce stade du jeu. Mais il y a l'autre gogol, il va arriver d'un coup de derrière une porte là. Donc là on s'y prépare. Hein, il va être accroupi en regardant à travers l'œillet de la. Enfin la serrure de la porte. Ah ouais, non. Pantalon baissé, une main dans le calibut. Oh putain la vache. Hop, Matsa, j'ai trouvé cette canne à pêche dans la remise. Ça te dit à attraper notre dîner? Maintenant que tu le dis, ça serait un ajout grave cool à notre voyage. Faisons ça, je sais pas, il fait froid dehors. Oh, la porte, elle est ouverte derrière. Non, si on sort, il y a un mec qui va s'introduire, c'est bien connu, non? On reste dans la maison. Attends, allez, hop. L'air qui est ouverte, bah, c'est lui qui est ouvert, il vient de là. Oh putain, il veut absolument qu'on aille pêcher, quoi. Quelle idée d'aller pêcher à 22h le soir. Mon gars, oh, il fait froid et tout. Il y a quelqu'un qui va... Il y a un The Grudge qui va rentrer dans la maison, c'est sûr. Oh, let's go, chez moi. Il y a une autre canne à pêche dans la remise. Putain. Oh, il abuse, lui aussi. Tu veux attraper l'autre canne à pêche, Harp? Ouais, juste une seconde. T'aurais pu me l'attraper aussi, mais bon. Oh purée, j'ai vu une recette de fou pour faire une carpe cuite au four. Par contre, il faut rattraper 3 carpes. T'es partante? Ouais, j'ai pas le choix. Bon, on commence par le commencement. Il nous faut un appât à carpe. Regarde le tableau d'infos sur les appâts. Quand t'es prêt, prends un appât à la carpe. Et allons vers la crypte pour choper des carpes. Par pitié, ne fais pas de rime avec mon nom. De carpe harpe. Ah ouais, oh là là, mais t'es un loser, mon gars. Alors, où est-ce qu'on peut choper une carpe? D'ailleurs, j'ai fait un succès, moi, avec la pêche. Ah, t'as déjà fait la pêche, toi? Je suis en train. C'est juste long et chiant. Ah, carpe, ici, c'est du sweet corn qu'il nous faut. Mais en fait, si tu chopes un autre poisson avec un autre appât, enfin un autre truc, t'as un succès. Et c'est un succès. Attends, je vais te dire à combien de pourcents il est. Attendez, c'est quoi ce bordel? Golden Lure. Sweet Corn. Il n'y a que 19,2% de gens qui l'ont fait. C'est. Ouais, attention, moi les... je cours pas trop après. Poisson. Poisson à choper un poisson, certains poissons. Allez, let's go. Et j'arrive. Oh là là! Oh là là, mais il me laisse pas tranquille! Oh là là, monsieur, dame! On est sur un lourdeau de puissance. De puissance 6 là! Pas loin de passer en puissance 7, hein! J'espère que ces carpes vont mordre aujourd'hui. Si tu remarques bien, c'est le. Quand tu vas pêcher. Ouais. Le poisson. Le petit poisson, quand tu tires, quand t'as le petit mini-jeu, le petit truc bleu, en fait, c'est le poisson de Terraria. Si t'as jamais joué. Ah non, ça me dit rien. J'ai eu un Blue Grill. Non, j'en veux pas. Ah putain, t'avais. Ah oui, tu l'as dans la main toi. Oh cheese, moi je suis obligé de revenir à la cabine. Oh, je l'ai gardé dans la main. Moi j'ai autre chose dans la main. Ah, j'ai compris comment on joue. Merde. J'étais en train de boire. Putain. Moi j'ai une lampe torche dans les mains moi. Oh, j'ai pas pris la lampe. Ok, une carpe, je la garde. Ah bah oui, t'as intérêt à la garder. S'il dit que c'est une carpe, il y en a toujours plus. Mais en fait, le mec, il va faire une phrase à chaque fois que je fais un truc. Voilà, à chaque fois que je fais un truc, il fait une phrase.
Et j'en ai marre de revenir à chaque fois pour remettre un appât, je vais prendre la boîte et puis voilà. Ah, oh, j'ai un small mouse. Nous sommes dans Pêche Simulator, les amis. Tu te jures en l'air, j'adore ce jeu. Putain, ouais, j'ai encore foutu le genre l'air. Vachement dur à voir celui-là. J'espère que c'est une carte. Oh putain, c'est même pas une carte, comme il y a un problème là. Donne-moi ma carte, bordel! Grave, la pêche en silence. Bon, bah, je relance encore. Et t'as un problème avec ton jeu, toi? Putain, ouais, la canne à pêche va plus fonctionner. Ce jeu, il est pas fait pour moi. Et ça fait déjà une heure qu'on joue, hein. Putain, on a rien fait encore. Oh, plus qu'une carpe à attraper, tu peux le faire. Yes, c'est bon, j'ai les trois carpes. Ah, pour dire qu'on a les trois carpes, allez. Tu veux qu'on rentre et qu'on balance tout ça au fond dans le dîner? Oui, 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 allez, on y va, allez, c'est bon. Ouais. J'en ai marre de rester à côté de toi, là, ton pull dégueulasse, là. Qui c'est qui s'habille comme ça encore? Hop. Je t'emmerde! C'est pas ma maison, je m'en fous. Tiens, mais tu sais quoi il me fait penser, à qui il me fait penser lui? Non. Stanford. Stanford. Bruno Stanford. Ah ouais, dans Frogstone. Ouais. Aussi relou. Wow. Aussi détestable. Ah putain, c'est quoi ça? Pourquoi le frigo il est ouvert? Ouais, je te fais la marinade. Tu prends juste un bol, tu mets la pâte de gingembre, l'huile de cuisson, le poivre noir, le sel, les assaisonnements italiens, le paprika et le yaourt. Ouh. Oh, attendez, un bol. Donc sel. Où est-ce qu'il y a le sel? Là, je vois du poivre. Il faut mettre du poivre aussi, ouais. Poivre, alors déjà, on va mettre du poivre. Ah non, c'est les trucs italiens, c'est bon. Le gingembre. Le sel. Le poivre, paprika, huile d'olive. Et du yaourt. Pour l'instant le jeu il est relax. Ah ouais, pour l'instant il est tranquille le jeu. Bon, il va me pêcher une carpe là ou je vais avoir que des bluegills? Va pêcher dans la Seine, au pire t'auras une trottinette. Ça se mange pas mais au moins t'avances. C'est Rome. Il est pas mal celle-là. Tu peux envoyer le poisson et la marinade dans les casseroles pendant que je coupe les légumes. Mais je te rassure, si je pêche un poisson dans la Seine, je le mange pas. Hein. Ah, le poisson il aura trois yeux et des ailes. Oh putain. Alors, il est où le poisson? Poisson. Poisson. Oh putain, on a même pas enlevé la tête, rien. Ah bah je peux en mettre que deux. Pourquoi il a voulu qu'on en pêche trois alors? Je suis en train de pêcher que des bleus branchis. T'as pris le fromage hein comme appât? Non, le golden lure qui est dedans aussi. Ah ouais, je l'avais pas vu. Attendez, je dois mettre quoi là-dedans? Ah oui, des légumes. Ils sont où les légumes? Je sais que j'ai sorti un chou tout à l'heure mais... Ah ils sont là. Il l'a coupé. Voilà, et non. Bon le relou il va arrêter de me faire ses blagues là. Ces carpes vont avoir un goût de dingue. Tu vois pas le coup, c'est pas bon en fait. Pendant que ça cuit, ça te dit hein, des jeux de société. J'en ai vu dans la pièce à côté du salon. Lequel? Prends juste ce qui t'attire. J'ai hâte de voir ce que tu as pris.
J'en ai vu dans la pièce à côté du salon. Ah, ça, c'est le salon. Parce que pendant la séance de pêche, lui, il ne sert à rien. C'est nous qui avons pêché les trois, lui. Un loser, c'est bien ce que je disais. Un énorme loser. Alors, qu'est-ce qu'on a, les gars? Oh, le Ouija. Waouh, vous croyez qu'on prend le Ouija? Ou alors, il y a le Monopoly. C'est bien parce que depuis tout à l'heure, je vais que des bluegills. Dès le moment où j'ai chopé une carte, une carpe, il y a les deux autres qui sont partis. Ok. On est en soirée d'horreur ou on n'est pas en soirée d'horreur, les gars? Je veux dire, à un moment donné... Oh, c'est une planche de Ouija. Un jour, Molly m'a dit qu'elle avait contacté sa grand-mère décédée à travers une de ses planches. Je supporte pas ces conneries spirituelles. Hey, tu te souviens comment Rick était chelou à propos du sous-sol? Et si on essayait ça là-dedans? C'est une super idée. Alors allons-y. Salut Ney, merci beaucoup pour ton follow. Sois le bienvenu. C'est génial. Fais gaffe aux araignées là-dedans. C'est pas les araignées qui me font peur là. Mais comment on peut avoir des idées aussi stupides? Qui c'est qui réfère un Ouija dans une cave, les gars? Déjà, un Ouija tout court, je le fais pas, mais dans une cave. Sincèrement, qui c'est ici si on propose IRL de faire un Ouija dans une cave, qui le fait? Tu sais ce qui rendrait ça encore plus flippant? Quoi? On éteint les lumières et on voit si le truc marche vraiment. Oh putain. Ah, toi, par contre, pour les idées de merde, t'es un champion. Où est l'huile d'olive? Là-haut. Ah, je peux pas éteindre celle-là. Bon, tu sais comment ça fonctionne, Harper? Non, jamais fait. Bon, voilà comment ça marche. D'abord, on place nos doigts doucement sur la goutte. Il faut poser des questions et les esprits, s'il y en a, vont bouger la goutte pour épeler la réponse. En tout cas, c'est ce que m'a dit Molly. Une dernière chose, Harp. Ne retire jamais tes doigts de la goutte tant qu'on n'a pas dit au revoir, sinon on risque de vexer les esprits, elle m'a dit. Ok, je retire jamais les doigts, mon gars. Très bien, tu commences. Putain. Y a-t-il des esprits présents qui souhaitent nous parler? Veux-tu que nous partions? Peux-tu nous voir? Y a-t-il des esprits ici présents qui souhaitent nous parler? N. J. Tain, on... Non. Yes. C'est pas possible, c'est toi qui le bouge. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, il fait semblant, tu sais. Eh, en plus, il fait semblant, le mec. Ok, j'en ai un aussi. Hey chef, comment ça se passe la vie après la mort? T'as sois respectueux, mon gars. C'est chaud parce que je dois garder le doigt sur la lunette. Vivais-tu dans cette maison? Quel est ton nom? Es-tu amical? Alors, direct, on demande s'il est amical. Alors, comme ça, s'il dit non, je lui dis au revoir, bonne journée, ciao. Et il va aller sur non, ce bâtard. Yes, yes, non. À mon tour, mais putain, pourquoi il va nulle part? Allez, mon gars, donne-nous un signe, montre-nous que t'es là. Alors, attends. N. Il est sérieux là?
Mais c'est vraiment un bâtard. Attendez, il va me faire peur quand je vais remonter. Bon, je crie pas, vous inquiétez pas, soyez tranquille sur le live, je crie pas. Putain. Ah non, mais en fait, il a vraiment eu peur, il s'est vraiment cassé. Mais alors, franchement, mon gars, dans les compétences des losers, tu coches toutes les cases. C'est passé dinguerie là ce soir. C'était chelou. Le truc, c'est que tu m'as laissé tomber. Tu veux dire chelou que tu m'as abandonné? C'est quoi ce bordel? Ah, je pensais que tu bougerais ton cul aussi. Ouah, t'as vu comment il me parle? Ça, c'est un mec qui tape sa femme. C'est un mec qui bat sa femme. Ça se voit direct. Ça aurait été sympa que tu vérifies. T'as déjà entendu parler de combattre ou s'enfuir? Sydney, je suis désolé, d'accord? Peu importe. Oh là 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 là. Mais t'es nul, mon gars, t'es nul. Nora peut arriver? J'aimerais bien. Ah ouais. Pas qu'est-ce qu'il est nul. J'ai jamais vu un type aussi nul de ma vie. Je le déteste. Je crois que notre émission va commencer, ça dit de regarder la télé. Ouais, autant aller regarder à la télé. Et regardez, regardez. Regardez qu'est-ce qu'il a dans la main. Regardez qu'est-ce qu'il a dans la main. Vous regardez ce qu'il a dans la main. Il a une assiette. Une assiette. T'as besoin de prendre ton assiette à deux mains, connard. Et voilà. Et voilà. Pas là là, il me dégoûte. Regarde ton émission de merde, là, connard. Pas là 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 là. Oh putain, je suis obligé de me mettre à côté de lui. Oh non, oh là là. Sérieux quoi. Mayonnaise water park. So first, we are going to prepare the asparagus. Season these with a lot of salt. Salt is good for the bones. After letting these simmer in the salt bath, we can start making the chocolate. Take a couple cocoa beans. C'est pas être maladroit, Axel. Yes, c'est même pas être nul. C'est une merde. C'est un goujat. Je mange pas la tête hein, par contre. Hein. J'avais fini. Ah, c'était vraiment trop bon. Avoir fait les poissons nous-mêmes, ça les rend deux fois. Attends, tu sors dans la cave, toi. Ça l'a rendu deux fois meilleur. Non, non, là, là, j'ai fini de manger là. Je veux dire, c'était pas mauvais, je veux dire. T'as pas besoin de gâcher la fête. Ah, c'était pas la pizza de mots, mais je trouve que ça a bien fini. Et d'ailleurs. Je dois consulter mes emails vite fait, j'ai laissé mon PC portable à l'étage. Je pensais qu'on faisait prenez une pause du taf. Non, mais la phrase mal traduite, je pensais qu'on prenait une pause du taf. Alors, c'est pas du taf, j'attends juste les infos d'expédition de ma nouvelle DS. Je reviens, il a acheté une Nintendo s'il te plaît. Ok, j'ai nettoyé, ok, je vais faire la vaisselle en attendant. Waouh. Mais en fait, je vais faire la vaisselle, mais faut pas déconner quoi. Il débarrasse même pas son assiette. Mais regardez, mais je suis la pute de la maison en fait. Il m'a pris pour sa gadji. Connard. Mais nettoie les assiettes. Tu viens de baiser ton jeu là. Non, c'est bon, je vais nettoyer là. Ouais, je croyais que t'avais jeté l'assiette en haut. Bah, ça va, j'ai réussi à la récupérer. J'ai vu qu'on n'arrivait pas à monter en plus. Là, je suis juste après moi. Oh, il est tellement nul ce mec. Jamais vu ça de ma vie. Par contre, Nora, elle est toujours pas là. Ça commence un peu à me. Un coup sur la rico là, pour me laisser comme ça. T'as reçu le message? Ah, Michel J. Carter. Alors. Michael, Michel G. Michel. Je vais entrer dans le garage là, t'es déjà en bas? Je crois qu'il y a quelqu'un sous mon lit. Là maintenant tu peux monter? Je crois qu'il y a quelqu'un sous mon lit, là maintenant tu peux monter quoi? Michel? Ouais, il veut me baiser. Fais pas de bruit, marche lentement. Il
Donc c'est la chambre au fond près de la salle de bain alors. Il va me faire une blague. Je crie pas. J'ai crié. C'était un petit cri. Je t'ai eu, t'as vrillé, Mike. T'as de la chance que je t'ai pas pété le nez. Mon physique est la moitié de mon charme. Ah non, mon gars. Ah non, mon gars. Alors, déjà, le physique, c'est pas ton charme du tout. L'intelligence non plus et les bonnes manières encore moins. Je t'ai eu complet. C'était drôle, hein. C'était pas cool. Allez, quoi, c'était juste une blague. Tu veux qu'on prenne une revanche? Une revanche? Ça te dit un cache-cache? Ah putain, non, s'il te plaît, quoi. Ouais, je vais te faire payer, mon gars. Comme tu préfères, Sidney Harper. Très bien, c'est ton tour de te cacher. Je compte jusqu'à 10. J'ai décidé de me cacher dans la cave. Ah putain, non, s'il te plaît, quoi. Bon, on sait où c'est, mais ah, ils abusent, quoi. Et là, c'est pas lui qui va être dans la cave. Attends, dans la cave, s'il te plaît. Salut Spring, merci beaucoup pour ton follow. Sois le bienvenu sur le live. On ne trouvera jamais ici. Salut. Trouvé. C'était même pas un peu dur. Je pensais que tu serais doué vu que je te trouve jamais en ville. Peut-être que si j'avais mis une planche de Ouija en bas, tu serais pas venu, trou du cul. Tu sais, comme tout à l'heure quand tu m'as abandonné. Tu dois peut-être mieux regarder. Ok, à mon tour de me cacher maintenant. Ah, putain. T'as intérêt à fermer tes yeux et à commencer à compter. Attends, ils sont sérieux là? Moi déjà, je reste pas dans la... je compte pas dans la cave, hein, je vous le dis direct. Oh non, putain, s'il te plaît, quoi. Alors attendez, finalement, je me mets dans la cachette pour compter. Hein? 2, 3, soleil, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, prêt ou pas, j'arrive. Des drôles de bruit. Non mais il va pas me faire ça l'enfoiré. Mais quelle saleté. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu dois chercher, hein. Bah je vais monter en haut. Mais c'est vraiment une merde, hein, le gars. Parce que là, je suis à la suite, c'est une merde. Une chouchotte en plus de ça. Ah, attendez, il s'est caché où donc On va couper la télé pour l'entendre. Bon, préparez-vous à avoir une petite frayeur, hein, parce qu'il va surgir de je sais pas où. En plus, il est caché à un endroit où tu peux te cacher toi. Donc c'est bien, comme ça tu sais où il y en a. Bah, il est pas caché dans la cave encore. Bah non. Il y a un deuxième endroit. Ah, j'ai pas trouvé le deuxième endroit. Il a pas été dehors quand même. Bienvenue à toi, Spring. Spriggan. Il a pas été dehors encore. Pas possible. Oui, il y a un mec qui avait écrit dans le chat, hein, Spriggan. Ah, je lui ai déjà dit souhaité la bienvenue, non, je lui ai déjà dit bonjour. Non, je peux entendre le cul. Si. Moi, j'ai trouvé direct en fait, c'est cramé l'endroit où il est.
Oh, c'est un placard. Ah! Machu! Trouvé. Attends, Arb, j'ai cru entendre un truc à l'étage. Dupe-moi une fois. Honte à toi. Dupe-moi deux fois. Je rigole pas, Sidney. J'ai vraiment entendu un truc glisser là-haut. T'as pas entendu? Je jure sur ma vie, j'ai entendu un truc. Ah, oh, je le crois là. Attendez, j'en mets mon ventilo. Je le crois. Je vois la porte du grenier. Oh non! Oh non! Vous savez, saleté, quand tu lui parles, tu lui reparles, tu vois ce qu'il dit. Tu vas aller voir? Hein? T'es plus grand que moi, pourquoi t'y vas pas toi? Je crois que mes épaules sont trop larges pour passer. Sidney, l'un de nous deux doit vraiment aller voir. Et tu lui penses où ses épaules? Il veut juste voir notre derrière, quoi, monte l'échelle. Non, mais ils sont sérieux là, ça me. Je me sens pas bien là d'un coup. Sérieux, Sidney, je crois que ça passera. Utilise le marchepied derrière toi et grimpe. De merde. Oh, ferme pas la porte. Oh, avec ta gueule de poisson là. Il est malade lui. Oh, mais c'est vraiment un fils de pute. Ah, mais c'est pas lui qui ferme la porte en fait, il se ferme toute seule. Non, je crois que c'est lui en fait. On dirait un blob. Et dites-moi que c'est un chat, s'il vous plaît. Comme dans les films. Ah, ça va, il y a de la lumière déjà. Tiens, il n'y a personne de chelou ici, ok. Dites-moi, c'est un chat. Ah, c'est un chat en plus. Ah, c'est vraiment un chat. Ah, putain, je suis mort. C'est vraiment un chat. Ah, c'est incroyable. Ah, putain. On va... Qu'est-ce qu'on doit découvrir ici de chelou? Non, bien sûr, je te caresse, ma petite gueule. Viens, ma petite papate. Oh, si t'as pas de propriétaire, je vais te prendre à la maison, toi. T'es trop mignon. Oh, t'as encore deux, trois petits câlins. Oh, ma petite papate. Oh là là, tiens, tu fais encore un câlin, ma petite papate. Oh. Personne dans le jardin. Personne dans le jardin, c'est bon. Alors... Qu'est-ce qu'on doit trouver ici? Il y a forcément un truc chelou qu'on va trouver. Un document, des photos, des cassettes vidéo, une collection Jackie Michel, j'en sais rien, mais on va forcément trouver un truc. Attendez, il m'amène quelque part le chat. Regardez, il m'amène quelque part. Il m'amène où? Tu m'amènes où? Tu veux que je regarde là, mon gars? Mais il n'y a rien ici. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Y'a rien, faut que tu redescends. Ah, y'a rien, y'a rien à trouver en haut? Oui, littéralement. Bon, bah alors, c'est tout, je me casse. Hein. Sidney, tout va bien? T'as vu quoi là-haut? C'était juste un chat. On dirait que je suis pas la seule sans couilles dans la maison. Allez, on va lui dire ça. Voilà. Bâtard. Ça veut dire quoi, ça? C'était juste un chat. Ok, soulagement. J'ai eu peur l'espace d'un instant. Ah, c'est sûr, t'as eu peur, on a vu que t'as eu peur. Pour m'envoyer moi tout seul, une frêle petite chose. Je crois qu'elle avait faim. Ah ouais, peut-être qu'on peut lui donner une de ses cartes. Ah oui, ah oui, tu remontes dans mon estime. Pourquoi tu te couvres le visage, mon gars? Non, 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 attends. D'abord, je lui donne une carpe. Par contre, dans la remise du jardin, c'est chaud. Attends, mon petit poulet, j'arrive. Tu vois pas cool la carpe, comme ça, elle bouge, elle se met à chanter. Allez, ma petite boulette. Viens, ma boulette. Attends, pourquoi? Il faut peut-être que je te... Tiens, tiens, ma boulette. Oh, bah voilà ma boulette. Ça, ça se régale. Ça, ça se régale. Allez, je te laisse manger. Je vais me cacher maintenant, je vais jouer avec l'autre con. Hop, je vais donner à manger au chat. Allez, je vais dans la remise.
décidé de me cacher dans la remise. Ouais, genre, je peux peut-être monter au-dessus là, non? On va le voir arriver comme ça. Ah, je préfère le chat rencontré il y a 3 minutes, hein. Ça, c'est clair, hein. Le personnage le plus agréable du jeu. Ah ouais, le franchement, chat ce chat-là, ah, j'espère qu'il va rien lui arriver. Nora non plus. Il va jamais me trouver, les gars. Oh putain, il arrive dehors. Il va jamais me voir. Tu vois pas le coup là, il se fait tuer. Eh, hey, sans déconner. Ah ouais. Là, il y a un mec qui arrive et tac, il le tue. Et là, je sors, je vais remercier le mec. Je dis, tu m'as peut-être Frank sauvé Stone. La vie là. Frank Stone. Oh non, t'es naze. Merde, oh, ça m'a pris un moment pour capter que t'étais dans la sortie de la maison. Tout ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être fait. À mon tour, ferme-moi ces jolis yeux. Oh, mais merde! Oh, mais il est lourd! Ferme-moi ces jolis yeux, mais c'est horrible! Oh là là, il est lourd! Ah, je commence à être fatigué, là. Écoute, je vais me cacher dans la maison. On va rentrer de toute manière, tu me trouves et on part au lit. Si tu veux, tu fermes les yeux et après tu vas prendre le poisson. Tu peux déjà manger au chat. On ouvre la lampe. Il n'y a pas une arme, il n'y a rien à attraper, non. Et attention. Ah, qu'est-ce qu'il est lourd ce mec, c'est une horreur. Un. Oh, regardez, je fais semblant de fermer les yeux, c'est bizarre. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10. Prêt ou pas, j'arrive. Ah, déjà. C'est pas Versailles ici, on éteint la lumière. Alors, moi j'étais plutôt en train de regarder en dessous des stores avant de sortir. Bah, tu sais que moi j'ai fermé les yeux, j'étais devant la porte dehors dans le jardin quoi, donc okay, n'oublie pas, tu cours plus vite quand tu cours en biais. Hein. Pourquoi? Je vais avoir un coup de poursuite là? Non, mais c'est juste que je la technique que j'ai dit hier. Moi bon, alors où est-ce qu'il se cache? Tu peux prendre le poisson du coup. Le quoi? Tu peux prendre le poisson et donner à manger au chat. J'ai déjà donné à manger au chat. T'as déjà donné le poisson? Ouais, avant d'aller faire la cachette dans la remise. Ah ouais. Il est peut-être au chiot. Là par contre je le sens pas ce coup là. Je crois qu'il est à l'étage, j'ai entendu des bruits. Ok, là c'est chaud là. Là c'est chaud. Si c'est à la cave, j'y vais pas. Sauf qu'il a pas les couilles d'aller à la cave. Je dis rien parce que je suis déjà au dialogue d'après. Non mais il peut pas être à la cave parce qu'il a pas les couilles d'aller à la cave. Ouais, la musique met très mal à l'aise, je suis d'accord. Regardez la porte au fond, elle est fermée, il est dans sa chambre, il est en train de se taper une pougnette là. Il est en train de se malaxer. Il est pas engrenier non plus, ça m'étonnerait énormément. Non, il a les épaules trop larges. Ah, il était sur la terrasse. Il y a du bruit là-bas, j'y vais pas. Il y a du bruit là-bas, les gars, je suis sûr que c'est pas lui. Parce qu'il se cache, pourquoi il fait du bruit? L'image du jeu est normalement glitchée et je dois avoir à m'inquiéter pour ma CG. L'image du jeu est normalement glitchée et je dois commencer à m'inquiéter pour ma CG. C'est quoi la CG? Oh non! Non, c'est normal, c'est bon. Oh putain! Oh putain, c'est lui! Oh putain! Oh là, ta carte graphique sur un jeu comme ça, t'as pas à t'inquiéter, frérot. L'image du jeu est normalement glitchée. Ah bah oui,
C'est normal qu'il soit là. Il a dit que l'évier il était cassé, il fonctionnait pas en haut. Mais frérot, t'as vu l'heure qu'il est? Il est là pour le réparer. Mais il vient à 2h du mat réparer l'évier, lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quoi? Eh, salut. Putain, mais pourquoi vous êtes encore là-dedans, Rick? Pourquoi vous êtes de nouveau là? Qu'est-ce que vous faites là avec ce marteau? Faut rester calme, on tempère. Si on a affaire à un taré, faut pas l'agresser, les gars. Si on l'agresse maintenant, on peut déclencher quelque chose qu'on va regretter. Rick, pourquoi êtes-vous de nouveau là? J'aurais pas le robinet, ça pose problème. Vous auriez dû nous prévenir. Madame, c'est ma maison, j'ai pas besoin de voir avec eux. À chaque fois que je répare quelque chose, ouah, comment il est chaud, lui. Voilà, il est... Ah ouais, non, mais là, il est prêt à me sauter dessus, là, c'est clair. Salut, Jade. J'ai jamais vu quelqu'un réparer un robinet à coup de marteau avant. Vous avez déjà réparé beaucoup de robinets, jeune homme? Je pensais pas, donc... je pense pas, alors la traduction est horrible. Je pense pas. Donc je me suis dit que vous sauriez pas quels outils il faudrait. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Je suis arrivé il y a à peine quelques minutes. Si vous avez entendu un truc, ça devait être cette vieille femme. Vous vous souvenez? Ouah, c'est chaud. Écoutez, ouais, il faut qu'on aille dormir là. Vous pouvez pas réparer. Ah, il faut qu'on aille dormir. Vous me demandez de partir, mademoiselle? Non, Rick. Elle essaye d'être polie. On a loué cette maison. Merci beaucoup pour les roses. Merci, Moons. Elle essaye d'être polie. On a loué cette maison et on voudrait la voir pour nous seuls. On ne veut pas vraiment en arriver au point d'appeler les forces de l'ordre. Ouah, mec. Mais alors, toi, t'es vraiment un con, toi. Mais il t'a dû... Le mec, il est chelou et tu parles que tu vas appeler les flics, là? Tu vas appeler Handek? Mais t'es un... Hey. Oh, oh, oh. Mais on est où, là? Laisse-moi gérer, mon gars. Y a pas de flics à Woodbury, fiston. Tu penses qu'ils vont arrêter le proprio pour avoir réparé le robinet? Je suis juste un peu de travail. Si vous pouvez pas gérer, c'est votre problème, pas le mien. Vous savez quoi? Si ça vous plaît pas que je répare le robinet, les jeunes, je vous laisse faire. Lui, on va le suivre. Je veux juste vérifier qu'il quitte bien la maison. Putain, j'ai deux trous du cul dans la maison. Ah voilà, deux trous du cul qui se suivent. Voilà. The Human Centipede, messieurs, dames. Voilà. Ici et là. C'est bien. Ok, écran noir. Après avoir verrouillé la porte, on a débattu sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on allait faire. Bah déjà, moi, il n'y a pas de débat. Je prends mes valises, je me casse. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait un truc qui cloche chez Rick dès le début. On aurait dit qu'il aimait trouver des excuses pour se pointer sans prévenir. Au final, on a décidé que Rick était bizarre, mais sans doute inoffensif. Moi, je suis toujours impressionné de voir dans ce genre de situation, parce que je rappelle que c'est une histoire vraie. Hein. Je suis toujours choqué de voir dans ce genre de situation comment les gens sont naïfs. Et comment, volontairement, c'est volontaire, hein, ils se mettent un voile devant les yeux pour pas voir la réalité. Comment tu peux dire qu'il est inoffensif, le mec? Comment tu peux dire ça? On a attribué son comportement à un manque extrême de conscience sociale. Écoute, on a déjà fait tout le trajet en voiture. Profitons juste, a dit Mike. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment épuisé. J'ai décidé de me reposer un peu. Ok, il est 23h39, les amis. Si Rick revient, c'est pour me mettre le sexe. Il n'y a pas d'autre truc. Hein. Oh putain. Ça toque à ma porte, mec. Je suis fatigué. Il est 11h30. J'ai roulé toute la nuit. Aussi, au cas où, il faudrait se cacher. Attendez. Putain, c'est lequel? Ouais, j'ai eu peur. Harp, t'es encore réveillé? Et là, il va me sortir une dinguerie. Dur de dormir quand quelqu'un frappe à la porte. Ça t'ennuie si je rentre? J'aimerais parler de quelque chose. Wow. Il est chaud, lui. Il va essayer quelque chose. Hein. Ouais, il a fermé la porte en plus. C'est pas moi qui l'ai fermé. La tempête commence vraiment à s'intensifier. J'arrive à peine à voir la camionnette dans l'allée. J'espère que Nora va bien. Ouais, c'est bien agité. Je déteste savoir que Nora toute seule. J'espère que Nora va bien. Mais c'est un forceur de ouf, hein, Spring. On est d'accord, hein.
Elle ira bien, Sydney, t'inquiète pas. Je suis là pour te protéger. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Quoi? Hé, hey, pas de problème, les mecs sont censés protéger les gens qu'ils aiment, non? Ouah, réponds pas. Non, je dis pas de quoi tu parles. Je dis... Vous voulez savoir de quoi il parle ou je réponds pas, les gars? On prolonge la conve? Mais là, il va me déballer ses sentiments. Et moi, je le remballe, hein. Ah, moi, je me mets pas qu'un loser pareil, hein. On est d'accord, moi si tu payes pas du Dior ou du Gucci, déjà c'est mort. Hein. On prolonge ou on prolonge pas? Vous voulez savoir ce qu'il veut? De quoi il parle? Comme ça tu l'envoies chier! Sortez les popcorn, on y va! Ouais, non. De quoi tu parles? Non, mais j'ai pas très envie, gars. Je vais y aller en fait. Quelle journée, hein? C'est pas exactement comme ça que je voyais notre escapade Sydney. Ça a été. Étrange. Tu crois ce mec, il se balade tranquille autour de la maison comme si c'était le maître des... Quoi? Il est pas autour de la maison, tu le vois pas par la fenêtre là. Mais j'aimerais juste qu'il nous foute la paix, après c'est le proprio. Non, okay. Autour de la maison, c'est dedans, il se balade comme il veut, dedans. Ah ouais, autour. Ok. Tu m'as compris Sydney. Il devrait juste pas se balader dans la maison comme il veut. On l'a loué cette foutue maison. Je veux dire, le mec est sans doute inoffensif, mais je suis frustré. Moi aussi. Faut vraiment que je dorme là, Mike. Ça nous fera à tous les deux du bien de dormir. Ok. Allez, casse-toi, mon gars. Oh, putain! Il se passe quoi, là? Oh, là, là. Ouais, moi, j'allais dormir sur le canapé en gaffe. Pourquoi une patation? Ok. Peut-être le moment de se sauver, là, non? Ok, ah, tu sais, alors déjà, avant de me parler, tu retires ta main de ma culotte, et après on discute. Ça m'avait manqué. Juste nous qui parlent, ça faisait trop longtemps. Tu sais, t'as pas besoin de dormir seul ce soir si tu souhaites pas. Mike, d'où ça vient ça? Tu ferais ça si Nora était là? Et hop, je lui ai claqué Nora dans la gueule. Ouais, moi aussi, je lui ai claqué Nora dans la gueule aussi. Il va se jeter sur moi. Alors, regardez ses yeux. Tu fais comme si t'avais oublié notre voyage en Oregon. Oh mon gars, ce qui s'est passé en Oregon reste en Oregon, tu sais. Hein? Bon déjà, moi j'aime bien l'Oregon sur ma pizza. Et après, si jamais il s'est passé ce que je crois qu'il s'est passé entre nous, j'avais beaucoup bu le soir-là. Et puis il faisait vraiment très sombre dans la chambre. Donc, tu rigoles, voilà. Mais mets le 1, mets le premier. Je me souviens que c'était bien gênant, je me souviens très bien. Je me souviens que c'était bien gênant. Au début, c'était pas gênant en vrai. Mike, on avait beaucoup bu, il s'est passé des choses. Oh putain, c'est chaud, ça parle de ce que je crois. Oh! Ah, Nora, oh. À l'aide s'il vous plaît. Oh putain, Nora, elle me sauve. En effet, il s'en est passé des choses, j'espérais peut-être qu'elle pourrait se reproduire. Oh Mike, je ne sais pas quoi dire. Je présume que je voulais t'en parler. Non, oh Mike, je sais pas quoi dire. Tu me laisses juste m'inquiéter des détails, Sydney. Mike, je ne pense pas que ce soit le bon moment. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Guys, I think I'm about 70 miles away from Woodbury and my stinking tire just blew out. It's snowing and... Non, attendez les gars, je sais ce qu'elle va dire sur la fin du message vocal. Donc là, elle est en train de dire qu'elle est à 70 miles de Woodbury. Et qu'elle n'arrive plus à rouler, et je crois qu'elle va m'annoncer qu'elle dort pas là cette nuit, qu'elle va nous laisser toute la nuit tout seul. I'm on the side of the road on Highway 11 near Killington. There's a sign by the side of the road. It's hard to see. I think it says Kent Pond. The snow is like half of a deep, and I can't get the lug nuts off the tire. I hate to ask, but can you two come get me? Est-ce que vous pouvez venir me chercher? Elle veut qu'on aille la chercher. Yes! Il va lui répondre, il va dire je peux pas venir. Quel timing, hein? Mais bon, on peut pas laisser Nora galérer. Laisse-moi m'habiller, je te retrouve en bas. Non, on ne peut pas, il vaudrait mieux se préparer. Ok, je m'habille. Non, Sydney, tu restes là et tu te reposes, ça sert à rien qu'on soit deux à se geler le cul d'or. Non! Non! Je veux bien me geler le cul dehors si tu veux. Oh putain. Oui, je suis sûr, t'es en pyjama et je suis encore habillé. Installe-toi, je m'occupe d'aller aider Nora.
Oh putain, fais chier. J'aime toujours être gentil avec toi, Sydney. Putain. Oh là là, je suis tout seul dans la maison. On continuera d'en parler demain. Non, non, on n'en parle plus, mon gars, on n'en parle plus, on n'en parle plus. Repose-toi bien et reste au chaud. Déjà, on prend ça. Hein. On est tous d'accord pour dire qu'on prend ça. Hein. La lampe? Ouais. Hop, je l'ai mis là. Ah ouais, non, non, c'est bon. Hein. Je n'ai pas pu aller au lit sans verrouiller la porte devant. De devant. Ah putain, il faut descendre en bas et verrouiller la porte. Mick? Michel? Oh putain, mais quel connard! Et pourquoi tu irais pas te reposer pendant que je suis parti? T'es sûr que c'est une bonne idée de conduire sous ce temps? Ouais, je pense que je... T'es sûr? C'est sûr, mec. T'inquiète, j'ai connu pire. Et puis Nora a sans doute bien plus peur que moi actuellement. Maintenant, il a vu que c'était mort avec moi, il va tenter avec Nora, c'est sûr. T'as sans doute raison. Écoute, assure-toi juste de prendre soin de toi, d'accord? Verrouille bien toutes les portes. En croyant entendre mon père, est-ce qu'on pourrait me blâmer? Avant que je parte, ça te dit un câlin? Je veux dire, juste au cas où tu dors déjà quand je rentre, je t'avoue, j'en aurais bien besoin. Ah ouais, une tronçonneuse, ouais, tu m'étonnes. Là, je suis sur un dilemme. Je pourrais l'envoyer chier, mais j'ai peur que de le frustrer et qu'il revienne me péter la gueule. Je suis allé faire un câlin, mais un câlin forcé. Oh putain, je suis passé à travers la porte, énorme. Fais de beaux rêves, reporte-toi bien, Sydney. Sois prudent sur la route. Va te coucher. Mais là, j'ai fermé la clé, c'est bon, là. Là, tu fermes la porte, tu vas te coucher. Moi, je t'attends. Tu m'attends au lit, là. Allez, on va se coucher. Je voulais avoir un peu de repos jusqu'à ce que Mike et Nora arrivent. Oh, ça va être chaud, l'autre, il a surveillé la baraque, il s'est dit aller toute seule. Je me suis dit que les choses s'amélioreraient si je me reposais. Nora savait toujours comment me remonter le moral et j'en avais de plus en plus besoin. Avec son arrivée proche, j'ai décidé de me reposer en attendant. Ah bon. Minuit 39. Ouais, j'ai eu peur de l'armoire avec les portes ouvertes, mais non, c'est moi qui les ai laissées ouvertes. Ah putain, on sait qui c'est. Hein. Non, mais c'est pas le proprio à cette heure-ci, quoi, s'il vous plaît. Bah, moi je regarde dehors par la fenêtre là de la chambre et y a pas la voiture, donc c'est pas les deux. Ah putain, s'il te plaît, quoi. Ouais, c'est une espèce de connard là. Oh! Ah putain! Je le reconnais! Réaliser que quelqu'un était dehors aussi tard m'a fait peur. Je le reconnais! C'est le voyageur, les gars! C'est celui qui voulait qu'on l'emmène! Je t'ai vu, mon ami. S'il te plaît, ouvre la porte. Je me les gèle dehors. Il est sérieux là? Je dois l'ouvrir la porte ou pas? Moi, j'ouvre pas la porte. Il est super dangereux, ce mec. Ok. As-tu la moindre idée de l'heure qu'il est? Bonjour. Soyons polis, c'est le mec de la pizzeria, ouais, exactement, c'est le mec de la pizzeria. On va être polis, les gars, parce que lui aussi, il est chelou, hein. Bonjour, écoute, mon ami, je sais que c'est pas ouf de frapper à la porte en plein milieu de la nuit, mais je suis un peu dans la merde, là. Je comptais sur des amis pour me laisser monter, mais ils sont en arrière et seront pas là pour encore deux bonnes heures. Putain, tu peux déjà sur le porche. Vous n'entrez pas, point barre. Bah, mets-toi sous le porche, mon gars. Merci, mais j'espérais que tu me laisserais entrer en attendant que mes amis viennent me chercher. Ah, vous n'entrez pas. Tu te fous de ma putain de gueule? Waouh! Il a dit putain. Et il a dit gueule aussi. Vous allez me laisser geler dehors? Ouais, je t'ai pas fait faire de la rando dans une tempête. J'aurais dû me douter que t'étais toujours autant une salope que tout à l'heure au truc de pizza. Tu crois que je vous ai pas vu, toi et ton petit copain, pêcher à la crique plutôt? Ouais, il nous a surveillé. Je me suis dit que vous me donneriez une chance cette fois, mais on dirait que t'es toujours pas sympa. Dégage, j'appelle les flics. S'il te plaît, pars ou j'appelle les flics. Soyons polis encore.
Il y a pas de flic ici. Putain, c'est ce qu'il a dit le proprio. Parlant de ça, je vois pas la caméra de ton copain non plus. J'appelle le 911. Bien. Faites comme chez vous. Ce serait dangereux d'ouvrir la porte. Vous savez quoi, je vais me cacher. Putain, j'ai pas eu le succès vu qu'en fait je suis arrivé en étant accroupi. Toi t'as marché ou t'as couru. À moins qu'il faille vraiment appeler la... Mais laisse-moi te dire un truc. Tu paieras pour m'avoir laissé dehors. Le karma est une belle salope, mon ami. Ah, moi je peux aller me coucher là. Il est plus là. Vu ma fatigue, j'ai prouvé peu d'intérêt pour l'homme à la porte. Non mais attends, elle est sérieuse ou quoi? Non mais attendez, qui va se recoucher après un truc pareil? Moi je prends un couteau de cuisine, je me mets dans une pièce contre un mur, comme ça là, je me mets ici là, contre un mur là, voilà, de manière à poignarder tout ce qui vient devant, et je bouge plus en fait. Non mais franchement... En fait, tu sais qu'il y a trois points d'entrée dans la maison. Ouais, il y a la porte devant, arrière, derrière. La porte devant, et c'est où le troisième? La terrasse en fait, si tu regardais dehors, t'avais une échelle à côté de la terrasse. Oh putain de merde, il va entrer par la ça terrasse. Ça pue la merde. Dormir. Ouais, ça devient chaud là. Il s'est fait mal en voulant monter. Mais putain, mais je peux plus me lever. Il commence à me menacer. J'ai assez peur et je crois l'entendre se déplacer en dehors ou autour de la maison. Pourriez-vous venir voir, vu que vous habitez si proche? Tu t'es caché toi, Chiro, ou t'es parti voir? Moi, je suis au grenier. Ah, dans le grenier carrément? Mais il faut que j'aille là. Il est en train de sonner ce connard. Non mais c'est peut-être pas lui, c'est peut-être le proprio. Ah c'est peut-être... Ouais, je suis pas gauche, j'y vais. Bon, on y va les gars, on fait quoi? Ah oh, c'est le proprio. Mais attends, monsieur le proprio, il est pas normal non plus. Ouvrez la porte, mademoiselle, c'est moi. Ouvrez la porte. Il a un marteau! C'est quoi ce bazar ici? Oh Dieu merci, vous êtes là. Eric, je suis heureuse que vous soyez venu. Vous avez vu quelqu'un dehors? Eric, je suis heureuse que vous soyez venu. Expliquez la situation. Ouais, je suis venu aussi vite que j'ai pu. À votre place, je m'inquiéterai plus à son propos. Je crois qu'il l'a tué. Je crois qu'il l'a tué. D'ailleurs, où est votre ami? Le gars qui était avec vous plutôt. Mike, il est parti chercher notre autre ami. Il devrait plus tarder. Ok. Mmh. Oh putain. Ah putain, le... Donc tu es toute seule ici actuellement, hein? Oui, mais mes amis devraient arriver d'ici peu. Il va où? Frérot, tu vas où là? Je crois qu'il y a un problème. Quoi? C'est le... Tu vas voir. Ce genre de tempête ramène toutes sortes de gens. Si ça se trouve, ça a jamais été le proprio et... Maintenant que j'y pense. Ah si, je lui ai écrit avec le téléphone. Ils savent pas tous quand t'es resté à l'écart. Rick Wilson, revenir vous voir, comment ça? J'ai à Burlington. J'ai jamais été à location depuis des semaines.
Oh putain. Tout va bien, mademoiselle. Oh putain. Oh putain. Oh putain. C'est une dinguerie. Ouais. Il est bien tard pour envoyer des messages, non? Vous parlez à qui? C'est mes amis, ils sont quasiment là. Tu n'es pas riche, je me trompe. Qui es-tu? Je veux dire que c'est mes amis. Ah bon? Oui, merci d'être passé quand même. Ça devrait aller maintenant. Tu peux repartir si tu veux. T'es sûr de ça? Ouais, j'ai juste surréagi. Peut-être que je devrais rester un peu, m'assurer que tout est ok. Je dois partir tout de suite. Tu n'es pas riche, je me trompe. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens de dire? Confronté. C'est ma putain de maison. Je me barre quand je veux. Oh putain. Tu dois partir immédiatement. Je sors d'ici avant que j'appelle les flics. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ce qui m'appartient. Cette maison et toi. Oh merde. Alors là, ça va être une course poursuite de ces morts. Ça va être chaud. Tu t'introduis chez les gens. Tu dois partir maintenant. Sors d'ici avant que j'appelle la police. Je crois pas, non. Si quelqu'un quitte cette maison, ça sera l'un d'entre nous. Je suis mort. Je voulais me cacher à l'étage. J'aurais dû aller à la cave. J'adore. Attendez, allez, on reprend. Hop, Rick. J'adore. Ah putain, j'aurais pas le succès. Ok, donc là, j'ouvre la porte. Ouvrir la porte. Salut, mon poteau. Hop. En fait, il faudra que j'aille à la cave. Par contre, je peux pas ouvrir tout de suite la porte parce que si je l'ouvre, vous voyez, ça me bloque en fait. Il faut que j'aille comme ça et après que je l'ouvre. Et après, je vais me cacher à la cave. Putain, j'ai pas ma lampe. D'ailleurs, où est votre ami, le gars qui était avec vous plutôt, Mike? Il est parti chercher votre ami. Oui, mais il devrait arriver dans pas longtemps. Alors attendez, peut-être que je peux monter à l'étage et chercher ma lampe sans me faire tuer. Eric était à la maison. Voilà. Ah oui, il a envie de manger mes zizettes. Bla 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 bla. Là, je vais avoir les messages là. Revenir vous voir. Comment ça? Je vis à Burlington. Je n'ai pas été à location depuis des semaines. Tout va bien? Ouais. Tu n'es pas riche, fils d'op. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est ma putain de maison. Je me barre quand je veux. Tu dois partir maintenant, mon gars. Je crois pas, non. Tu dois partir, je te dis, FDP. Je suis mort. Putain, j'ai failli avoir aussi le succès du coup. Je m'attendais pas qu'il se passe un truc. Je pense. Non! Vite, je me casse.
mes amis qui sont revenus. J'ai mes amis qui sont... Bonjour. Je suis mort, mais putain! Vous croyez qu'il faut retourner à la porte, ouvrir? Je crois qu'on va descendre par la terrasse, peut-être, non? Eh! Hey, je suis mort! Elle m'a appelé une deuxième fois, s'il te plaît! Elle m'a appelé une deuxième fois! Faut passer par la terrasse que la porte d'entrée elle est fermée, je viens d'y penser. Caché dans le sous-sol. Ah, c'est abusé là quand même. L'autre elle m'appelle toutes les... On dirait ma femme, elle m'appelle toutes les 36 secondes. Je suis mort. J'ai mis trop de temps, je me suis trompé de chemin. Elle est où l'échelle, frérot, sur la terrasse? Elle est où l'échelle sur la terrasse? Moi je suis mort, mais elle est où l'échelle? Y'a pas d'échelle sur la terrasse? Non, elle est en bas. Moi je me suis caché dans le grenier. Tu peux te cacher dans le grenier? On se cache dans le grenier alors. Ouais, mais c'est abusé, moi je croyais qu'il y avait un moyen de descendre depuis là. Allez, go. Allez, go. Ça va, je cours vachement plus vite que lui. J'ose pas redescendre du grenier du coup. Je vais quand même tenter la porte d'entrée. Parce que Chirou il dit qu'il est coincé dans le grenier. Donc il y a moyen de tenter un truc. Bon alors je tente le grenier alors. Ok les gars, je suis grenier. J'ai fini. C'était bien grenier qu'il fallait aller alors. Là si je joue la trappe sur la tête là, il meurt non le mec? Oh. Bon, ça hurle dehors. Tu
Tu vas bien? Je viens de finir de parler aux autres invités au téléphone, j'ai appelé le 911. Ah putain, yes! Je pense qu'il s'est sauvé là, on va redescendre. Merde, du coup j'ai peut-être le jeu de tellement vite que j'ai même pas eu le succès. Ouais, je peux plus avancer très vite maintenant. J'ai le TF4 trop vite, du coup j'ai pas eu le succès, bon c'est pas grave. Là ils vont défoncer à la porte, ils vont entrer. Ah il est sorti par derrière. Ouah comment il a défoncé la porte. Ouah j'aurais jamais été, j'aurais jamais cru être aussi heureux de revoir ta tête de hareng mon gars. Oh Nora, plus intéressant. Putain on l'a aperçu une demi-seconde. Je leur ai tout raconté tout ce qui s'est passé après que Mike soit parti. Rick avait appelé les flics. La tempête s'était calmée entre temps à leur arrivée. Et bien sûr, l'homme était introuvable. Toute la nuit se rejouait encore et encore dans ma tête. On pense que le gars qu'on a vu vivait en secret dans la cabine quand elle était inoccupée. Et qu'il comptait nous cambrioler pendant notre séjour. Mais les flics semblaient croire que ce gars comptait faire plus que juste nous cambrioler. Bah ouais, il avait un marteau, il m'a poursuivi dans la maison quand même. Rick m'a demandé à quoi ressemblait l'homme. Et après ça, il n'a plus posé de questions. On pense qu'il en savait plus que ce qu'il voulait nous laisser croire. Ah, malheureusement, j'ai pas... Mais au final, ils nous ont remboursé intégralement. Waouh ! Donc, je vous rappelle que c'est une histoire vraie. Donc, style un petit peu les histoires qu'on trouve sur Reddit. J'ai trouvé super bien. J'ai trouvé que cet épisode était super sympa. Quelques petites longueurs, mais franchement, super. Ah, j'ai adoré ce nouveau chapitre. À quand le 6ème? J'espère un épisode 6 rapidement. Donc c'était les Fiers tout Fatum. On a fait toute l'intégrale hein, donc vous pouvez retrouver les replays sur YouTube. Demain on est sur Chucksy les amis, un jeu d'horreur ultra réaliste. Et on le fait avec un harmonica dans la bouche. Demain c'est à 20h. Donc on va s'éclater comme des malades. Et pour le jeu de samedi, j'ai pas encore totalement décidé. Dimanche on est sur FNAF en VR. Et après une nouvelle semaine démarre. Et des nouveaux jeux courts comme ça tous les soirs. Ça s'écrit comment le jeu de demain? Chucksy, C-H-U-X-U-X-I-E. Vous voulez voir un extrait du jeu? Moi je l'ai vu sur internet. Il est terrible là. Hein. Dis donc, d'ailleurs le truc d'avoir l'harmonica dans la bouche, ça vient d'internet aussi non? J'ai été tagué sur la vidéo pour le faire. Ouais, la vidéo de qui par tout hasard? C'est Lou qui m'a tagué dessus. Le mec dans la vidéo, c'est C'est une fille moi dans la vidéo sur laquelle on m'a tagué. Les amis, on va sur magasin. Muriel. Choc. Ah d'ailleurs, faut que je le prenne. Hop. Et voilà. Voilà les gars, ce que ça va être comme jeu. Chucksy, c'est ça. Vous allez voir comme il est terrible le jeu. Qu'est-ce qu'il fait lui, il danse? C'est Jackie Chan qui danse. Là c'est un extrait du gameplay, là on s'en fout. Attendez, je vous montre une autre vidéo. Voilà. Regardez un petit peu, voilà. Demain on est là-dessus. Regardez bien la dinguerie que c'est ça. Voir, c'est rempli de script. Oh putain, la vache, j'aime pas ça. Bon, là, les tigres, on va pas tous regarder non plus parce que le but c'est pas de tout voir. Hein, parce qu'après, est-ce qu'il y a un peu trop de spoil? Honnêtement, c'est pas une petite dinguerie là? Dites-moi sincèrement, là vous êtes pas hyper chaud pour ce jeu là demain? Ils ont réglé 2-3 trucs, il y a eu quelques mages et tout.
Ouais, c'est une petite dinguerie. Et en plus, le jeu est en français. Bien. Ouais, c'est ça. C'est un jeu ultra réaliste d'horreur. C'est fait sur l'Unreal Engine 5. Donc, c'est le nouveau moteur qui arrive un peu partout maintenant. Et c'est vrai que le jeu est beau. On peut pas. J'en mets un peu en arrière pour pas se spoiler sur la suite. Mais c'est vrai, quand on voit le jeu, regardez, il est ultra réaliste. Hein. Avec le flingue, on dirait un peu, comment ça s'appelait déjà? Bodycam. Ouais. Ouais, ça fait très bodycam. Mais bodycam a aussi a été fait avec, avec l'Engine 5. Ouais. Tiburied? Pour Il est quelle 23 heure là? heures? Il est quelle heure là? Vous êtes chaud pour un buried? Quelqu'un, vous voulez une suite du live ou on arrête là? C'est vous qui décidez. Si vous voulez une suite du live, on a un jeu que Shiro vient de m'offrir qui dure 30 minutes. Max. Donc est-ce qu'on enchaîne sur buried ou pas? Ouais, vous êtes chaud? Allez, on fait un petit buried alors. Je l'ai jamais fait, hein. Shiro vient de me l'offrir, hein. Alors attendez, je le télécharge vite fait, il fait même pas un giga. Choxi s'est installé. Hop. Bon, du coup, comme je suis en live, ça télécharge très lentement, mais il y en a pour, vous voyez, 2 minutes là, 1 minute maintenant, 48 secondes. Bon, peut-être que le live TikTok va bugger 2 minutes, hein. Ah putain, t'as les mises à jour Temtem, le jeu que je t'avais offert, tu l'as jamais lancé, j'en suis sûr. Non! Je suis une merde! C'est un Pokémon de toute façon. Tu me dis quand tu lances le jeu. Oh mais je suis dessus. Ok, alors je lance aussi. Allez, c'est un petit bonus, ça. Et on fait la petite vidéo YouTube tant qu'on y est. Les amis, nous sommes sur Buried, un jeu qui vient de m'être offert par Shiro. On a terminé l'épisode de Fear to Fatum et on fait un petit bonus, un petit extra sur Buried. Je fais une vidéo spéciale TikTok, donc je l'ai coupé du reste. Et on va découvrir ça direct. Est-ce qu'on peut mettre le jeu en français, s'il vous plaît? Et je ne trouve Non. pas de langue. Donc je vais user de mon anglais phénoménal. Begin. Ça veut dire commencer. Hey, je suis bon, hein? Donc là, on est en train de taper dans le cercueil là. Buried, on est enfermé dans un cercueil. Hein. Fuck! D'ailleurs, Fuck! fun Fuck! fact, Buried. Dave. C'est ce que je dis à ma femme, Fun ça quoi? fact, Buried, j'ai dû l'acheter 4 fois. Pourquoi tu l'as acheté 4 fois? En fait, j'ai acheté une fois le paiement papa, et elle m'a pas passé, du coup ça va me rembourser. Deuxième fois, t'as eu le jeu. Troisième Ok. fois, pour me l'acheter, ça a pas marché. Shit. Quatrième fois, ça a marché, et du coup je l'ai eu. Bon là, vous voyez, c'est ce qu'on se dit toujours quand on est enfermé quelque part. Voilà, ça va aller, merde, ça va aller. Où est-ce que je suis? Where is it? Où est-ce que je suis? Alright. Ok. Okay. Oh putain, j'ai mon téléphone, 26% de batterie. Ok, donc là je suis enfermé, il faut que je trouve comment sortir. On a un I cadenas, need a key. j'ai besoin d'une clé. Un I need a cadenas, key. I need a un key. cadenas. I need something for this. Ok, Cadenas, cadenas. ah j'ai un 2. Oh putain, il doit avoir un cadenas à code quelque part. Ah, ici là, ouais. Donc là, j'ai un 2, faut que j'en trouve 3 autres. Light source. Ok, vous pouvez utiliser ou la lumière ou votre iPhone. Appuyez sur 2 pour passer en lumière. Ah, mais là aussi, il y a un truc à code. Ah là, ok, il va falloir. Je peux dévisser les vis. Okay. I need something for this. Ah, ok. You will die here. Ok, tu vas mourir ici. J'ai 4, 1, 1, 1. Ça doit être ici, là. I Non, comment need ça marche? something for Ok, this. donc là, I need il me something manque for un truc this. ici. Ah, il y a une clé, il y a une clé, bâtard. Je l'avais pas vu. C'est quoi que j'ai obtenu là? J'ai ramassé un truc, j'ai pas compris ce que c'était. I need a key. Tu l'as I trouvé need la clé, something Chiro? for this. I need a Non. key. Allez, tu veux que je te dise où aller? Non, ça ira, je vais y arriver. Putain, j'ai trouvé un objet, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, il me reste 19%. Ok, j'ai trouvé un bouton. Je pense que c'est un bouton là-dessus à mettre. Ouais, c'est ça.
Ah, il faut que j'en trouve trois autres. I need something for this. Ah, ça va, c'est un cadavre, c'est pas grave. Ah, il y a une main là. Ok, j'ai chopé une pièce. La pièce, je peux dévisser ici là. I need something for this. I need something for this. Ok, ok, ça c'est fait. I need something for this. I need a key. J'ai un 2. J'ai un 0. Donc 0, 2. C'est bon, j'ai le code. Mais après, c'est dans quel ordre? 0, 2. This is not how I die. Ouais, mais je peux pas savoir en fait. C'est peut-être 2, 0, quelque chose. This is okay. Ah, this is okay, j'ai vu. Putain, j'ai un marteau, mais... T'as un marteau, toi? Oh, il me reste 12%, ouais, bah bâtard. T'as pas trouvé la clé? Oh, mais... Oh putain, y'a des mains qui bougent, en fait. D'accord, ok. Ok, c'est hanté. C'est hanté, je me chie dessus. On arrête le jeu, on arrête tout. Je vois, j'ai le 2, les 0, mais j'ai pas le troisième code. Ouais, non, mais il est trop dur le jeu, les gars. This is okay. I need something for this. My battery is getting low. Je m'en bats les couilles de ta batterie. Quelqu'un peut m'aider là? Ouais, il fait peur le jeu. Oh putain, ça y est, je vois des trucs, les gars. This is not how I die. Oh, ta gueule, hein. Ouais, je crois qu'il était fumeur. Ça y est, j'ai trouvé le code au hasard, putain. J'ai une clé et j'ai un bouton. I need a key. J'ai un marteau. Attends, ok, c'est ici le marteau. Déjà ouais, ouais. Pour une autre clé. Ouais. Ah putain, moi j'ai pas ta première clé. Ah ça y est. Ok, il va falloir trouver comment ça marche, hein, ce truc-là. J'ai 4, 1, 1, 1. I need a key. I need a key. Ok, attendez, attends, mais moi il me manque la moitié des objectifs. Sauf que moi je fouille et j'ai rien. Ah putain, si, au-dessus de ma tête. Putain, on peut voir les messages dans le téléphone. Vous avez vu, on peut naviguer dans le téléphone. Ok, on se chicane dessus là, les gars. Un petit VR sur celui-là, ouais, t'as raison. 4, 1, 1, 1. Mais il manque des boutons là. Il manque deux boutons. Je peux les trouver où, les boutons, les gars? À moi qu'il manque pas deux boutons, mais. Quatre, un, un, un. Non, mais c'est ça, un, en fait. 3, 5, 3. T'as trouvé les deux, les quatre boutons, toi? Ouais. Ils sont où? Aide-moi! 1, 3, 5, 3. C'est bon, j'ai eu. Hop, I clé. I need a key. Mais m'aide pas, s'enculé. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, les gars. Oh putain, j'ai un gros cadavre à droite de ma tête. Ouais, bah moi aussi je l'ai. Je sais pas quoi faire. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît?
Ah putain, j'ai vu là. Je vois un 1 là-bas. Ouais, c'était ça le troisième numéro. Faut pas le recommencer du début parce que là, de toute façon, je vais mourir. Si, tu peux. I need something for this. Ah putain, il y avait un bouton ici. Je vous pose la question à tout hasard. Vous voulez que j'aille jusqu'au bout? C'est ça? Vous voulez que je me chie ici? Vous voulez voir ce qui se passe quand je perds? Ou je reset? J'ai tous les boutons, putain, ils sont tous là. Oh mais je suis vraiment une merde. C'est bon, je suis sorti. Moi aussi. Ouais. Attendez, il arrive pas à sortir, je crois, en fait. It's opening. It's opening. You have escape. Nice. Finalement. Finally. Ah, j'ai réussi à m'échapper. Merci. Ah oh, voilà. D'accord. Tu l'as payé combien sans indiscrétion le jeu? 1,49. En promotion? Ouais. D'accord. Et il vaut combien sans la promotion? 2 balles. Un peu vite. Ils auraient peut-être pu faire un petit quelque chose de gratos, non? Je sais pas, je l'aurais pas fait payer, moi le jeu il est trop court. Et il y a pas d'autres versions, c'est le seul et unique jeu. Ouais. Bah écoute, en tout cas, je te remercie parce que j'ai découvert quand même, j'ai découvert 2 minutes de bonheur. Vous voyez, c'est comme quand je fais l'amour, à peu près 2 minutes de bonheur. Voilà, c'est comme ça. J'ai relancé, du coup, je refais une en max vitesse. On en refait une, les amis, le plus vite possible. Vous êtes prêts? Et après, je vais me coucher. Attention! Attendez, on peut pas passer les dialogues, là? On peut pas passer les dialogues. Allez, on le fait en speedrun. Fuck! 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 On est sur Brazzers TV, là. Help me! Ah oui, c'est Brazzers TV, ça. Je reconnais. Shit! Okay. Shit. This is okay. En espérant qu'ils aient pas changé les codes ou quoi. This is okay. Si, ça change d'endroit. Where is it? Ah, ça change d'endroit. Where is it? All right. Je le contrôle pas là encore. Hein. Maintenant, je contrôle. Alors, 4, 2, 1, 5. Ok. What is that? 8. I need something for this. I need something for this. I need something for this. I need a key. Putain, j'ai pas le petit truc de d'habitude. Qu'elle est là. Donc 9, 6, 8. 9, 6, 8. Alors c'est pas comme ça. Everything is fine. 9, 8, 6. Alors c'est peut-être. C'est bon. Allez, let's go. Let's go. Let's go. Le marteau, on peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas enlevé les vis. Ok, c'est pas grave. Par contre, j'ai pas la petite boîte. Elle est où la petite boîte, les gars? Elle est buggée. Ah, il est buggé, le jeu. Ok, il m'en manque un. Il m'en manque un. Je sais plus où il est. Allez, on relance. C'est buggé. Je crois qu'en fait, la main, elle est pas apparue. La pièce, elle apparaît dans la main de la madame, là. Et du coup, je l'ai pas pour l'instant. En fait, voilà. Ici, il est là. Donc, on a dit... 4, 2, 1, 5.
4, 2. La main, elle est apparue. Hein. 5. Merde. La main est apparue. Allez, 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 allez. Pièce. Marteau. Marteau. Un speedrun. Mais j'arrive pas. Et ça s'ouvre pas, les gars. Mais oui, je t'ai vu, toi. Ça s'ouvre plus. Non, ça a bugué. Non, c'est de la triche. C'est de la triche, là. Mais... Non, c'est de la triche. Mais c'est de la triche. Mais j'ai tout fait. Putain. Ah non, mais attendez, là, il faut retirer au moins... Il faut retirer 1 minute 40, là, du chrono, s'il vous plaît. Mais c'est de la merde, hein. Bon les amis, sur ce, moi je vais vous laisser là. On se revoit demain, 20h, Chuxi, Harmonica, Shiro, tout ça ensemble, ça fait une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous n'êtes pas trop triste qu'on ait fini les Fiat ou Fatum, parce que moi je suis un petit peu triste, honnêtement, j'ai vraiment adoré ces jeux-là. Demain, c'est de l'horreur pure et dure. Donc voilà, soyez bien au rendez-vous parce qu'on va vraiment s'éclater. Je vous fais des gros bisous, à demain, bisous tout le monde, passez une bonne nuit, merci pour les follow et merci pour les cadeaux. Ciao, ciao, bisous.